Mais pour cela, that is why, comme le monde est en train de fêter la fin de la femme, hence the world is feasting Mother's Women's Day, selon leur manière mondaine, according to the worldly ways, le 8 mars, the 8th of March, pour ceux qui vont me suivre dans la bande, à Londres, à Paris, partout, qui vont prendre les bandes, je sais qu'ils beaucoup m'ont appelé qu'ils attendent cette bande ici. Many called me that they're waiting for this step. Ce n'est pas seulement la fête. It's not just the party. Aujourd'hui, c'est la fête de l'épouse. Today it's the bride feast. Parce que le 8 mars, because the 8th of March, c'est le jour où, it's the day that, pour ceux qui sont nouveaux, aujourd'hui je vais entrer un peu dans la matière de l'épouse. I'm sorry to doubt getting the bright maiden. Si vous êtes nouveau, ne soyez pas étonné si certains jours vont vous échapper. If you are new, don't be astonished if aujourd'hui, c'est un grand jour pour l'épouse de Christ. Today is a great day for the bride of Christ. Pour la femme du Seigneur Jésus-Christ. For the bride of the Lord Jesus Christ. C'est le jour où le saint prophète William Branham. It's the day that the holy prophet William Branham. Nous avons déjà expliqué cette affaire-là. We have already explained this matter. Qui a beaucoup de controverses dans le message. Got a lot of controversy. Si vous voulez les bandes, prenez les bandes de 2012. Take the tapes of 2012. Nous avons prêché sur le mystère du 28 février au 8 mars. We preached the mystery of the 28th February to the 8th of March. Le 28 février 1963. The 28th February 1963. À 17h pendant que le soleil était en train de coucher dans le ciel d'Arizona. At 5 p.m. while the sun was setting in the Arizona sky. Un nuage mystérieux est apparu. There was a mysterious cloud which appeared. Dans les stratosphères. And the stratosphere. Et la science a pris cette grande photo. And the scientists took this picture. Avec leurs caméras, ils ont regardé ça. Le monde a été intrigué. With their cameras, they took the picture of this, and the world was. Ils ne savaient pas qu'est-ce que signifie ce nuage mystérieux. They did not know what is the meaning of this mysterious cloud. Ils ont fait des calculs physiques. They had physical calculations. Un nuage ne peut pas être à ce niveau-là. Cloud cannot be at this level. C'est resté mystérieux jusqu'aujourd'hui. It remained mysterious until today. Ce n'est pas un frère qui avait pris ça. It's not a brother of this message that ce n'est pas frère Branham qui a pris ça. Not brother Branham that took the picture. Ce sont les gens de ce monde qui ont pris cette image mystérieuse. It's people of this world that took this picture. Et nous avons cette photo là à l'église. And we've got the picture in the church. Et nous connaissons l'explication. And we know the explanation. Parce que c'est la promesse que Jésus a promis dans la Bible. Because that's the promise that the Lord promised in the Bible. Et la photo était bel et bien prise. And the picture was well taken. Le 28 février 1963. The 28th February 1963. La photo a été prise ce the jour-là. The picture was taken on that day. Mais nous avons essayé d'éclairer l'épouse de Christ. And we tried to enlighten the bride of Christ. Que Frère Branham n'était pas à la montagne. That Branham was not on the mountain. Le 28 février. On the 28th of February. Nous avons enseigné ça ici plusieurs taught fois. It here many times. Avec profondeur là-dessus. Deeper. Parce here. Que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Because you know the truth and the truth will set you free. Et les anges sont restés là-bas sept jours. And the angel remained there 7 days. Ils attendaient les prophètes. They were waiting for the prophet. C'est le 8 mars aujourd'hui matin. It's the 8th of March today morning. À 8h. At 8. Quand Frère Branham était au sommet de la montagne. When Frère Branham was at the peak of the mountain. Il y a eu une grande déflagration. There was a great blast. Et les 7 anges qui sont dans cette nuit. And the 7 angels that are in the cloud. Sont apparus au prophète. They appeared to the prophet. Et il a été soulevé par cette constellation. And he was caught up into that constellation. Il a été élevé et enlevé. And he was lifted and il est entré dans cette constellation. In that constellation. Et la voix lui a dit, and the voice told him, rentre à Jeffersonville. Return to Jeffersonville. Les 7 sceaux seront ouverts. The 7 seals will be opened. Aujourd'hui, c'est une grande fête de l'épouse. There is a great party for the bride. Le plus grand événement de la Bible. The greatest event of the Bible. Il n'y a que deux. There are only two. Le plus grand événement de la Bible. The greatest event of the Bible. Depuis le jardin de Dan. From the Garden of Eden. Quand Adam a péché. When Adam sinned. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Dieu l'a chassé du jardin d'Eden. God chased him out of the Garden of Eden. Mais quand il partait en train de pleurer, but as he was going crying, Dieu ne peut pas chasser sa propre image. God could not chase his own image. Il a tué les animaux. He killed the animals. Il a revêtu Adam. He dressed up Adam. Mais le sang des animaux, but the blood of animals, pouvait pas ôter le péché. Could not take away the sin. Et Dieu a juré dans Genèse, and God swore in Genesis, que la semence de la femme viendra, that the seed of the woman will come, et ça va écraser la tête du and serpent, and will smash the head of the serpent. C'était la promesse. Seigneur Jésus Christ. It was the promise of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. C'est lui la semence de la femme. He is the seed of the woman. Adam n'attendait pas Moïse. Adam was not waiting for Moses. Il n'attendait personne. He was not waiting for anyone. Il attendait que he was waiting for la semence de la femme. The seed of the woman. Et à la croix,
And at a cross, cette semence est venue. That seed came. Lui, le Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus. Et il a écrasé la tête and du serpent. Smashed the head of the serpent. Sur les bois du calvaire. At the Calvary tree. C'est pourquoi that is why l'œuvre du calvaire, the work of Calvary, est un grand événement de la rédemption. Was a great event of redemption. C'est le jour où Dieu avait acquis notre salut. That is the day God paid our salvation. C'est pour cela qu'on arrive à ça. That is why when we reach that, même frère Branham n'existe pas. Even Brother Branham does not exist. Parce que le seul sauveur, because the only savior, c'est le Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus Christ. Il est le seul, he is the only, qui a donné sa vie, that gave his life, pour nous au calvaire. For us at the Calvary. Frère Branham prêche, Brother Branham preaches, jour 20 et jour de victoire. The day of victory. Il dit c'est le grand jour pour nous. That is the greatest. Chaque fois, il peut se souvenir de l'œuvre du calvaire. Each time we ought to think of the work of Calvary. Si vous le croyez, dites un grand amen. You believe it, say amen. Mais il restait un autre deuxième événement. But yet there was another second event. Parce que le calvaire, because Calvary, le prix a été payé. The price was paid. Le sang a coulé. The blood had shed. Mais Adam n'attendait pas seulement que le sang coule. But Adam was not only waiting for the blood to be il shed. Il attendait le jour où Dieu viendrait le remettre. But he was waiting for the day that God would come and give it back. La divinité qu'il avait perdue. The deity that he had lost. Le livre qu'il avait perdu. The book which he had lost. C'est pourquoi aujourd'hui. That is why today. Le calvaire, Calvary, nous le prêchons. We preach it. Les catholiques le prêchent. Catholic preaches. Les protestants le prêchent. Les pentecôtistes le prêchent. Pentecostal preaches it. Ils ont des dons comme nous. They got gifts like we do. Est-ce que vous savez la vérité? Is it the truth? Mais il y a une partie. But there is a part de la rédemption. Of redemption. Parce que la rédemption a deux parties. Because redemption has got two parts. Sortir de, coming out of, et entrer dans, and going into, payer le prix, paying the price, et donner la chose, and giving the thing. Cette partie là, that part, les dénominations, the denominations, ne le prêcheront jamais. Will never preach that. C'est ça le message de l'heure. That is now the message of the hour. C'est pour cela nous that disons, is why we said to brothers, ne vous arrêtez pas sur le calvaire. Don't you stop at Calvary. Ni sur la Pentecôte. Nor the Pentecost. Parce que Jean, because John, il croyait au Seigneur. He believed the Lord. Jésus est mort à la croix pour lui. Jesus died on the cross for him. Jean reçut le Saint-Esprit. John received the Holy Spirit. Il a parlé aux langues. He spoke in tongues. Il a guéri les malades. He healed the sick. Mais Jean dans l'île de Patmos. But John in the island of Patmos. Lui qui a écrit Apocalypse. He that wrote Revelation. Quand la voix dit, when the voice said, qui est digne de prendre le livre? Who is worthy to take up the book? De rompre les sceaux. To break the seals. Personne sur la terre. Nobody on the earth. Personne au ciel. Nobody in heaven. Jean a pleuré. John wept. Comment un homme avec le Saint-Esprit? How come a man with the Holy Spirit? Il peut pleurer d'être perdu. Can cry of being lost. C'est-à-dire cette chose-là. Meaning that thing. Était trop important. It was more important. Mais l'un des anciens a dit à Jean. But one of the elders said to John. Ne pleure pas, Jean. Cry not, John. Le lion de la tribu de Juda. The lion of the tribe of Judah. A prévalu. Prevailed. Et quand il a regardé. And when he looked. Il a vu un agneau qui venait de l'éternité. He saw a lamb coming from eternity. Il était comme immolé. He was like slain. Il est venu, il a pris le livre. He came and took the book. Et il a brisé les sceaux. And he broke the seals. Et la Bible dit. And the Bible says. Toute la nature a commencé à adorer. The entire nation started. Et Jean a commencé à rire. And Christ said, la chose qu'Adam attendait, the thing which Adam was waiting for, après la mort de Jésus, after the death of Jesus, c'est l'ouverture des sceaux, was the opening of seals. Toute la Bible est scellée des sceaux. The entire Bible is sealed up with the seals. C'est pourquoi il y a des scellés à 52 that's ans. That's why it's been 52 years. Nous vivons là où les sceaux sont ouverts. We speak about the day that the seals are up. We live in about the day that the seals are open. God came down in this cloud. Gloire à Dieu. Glory be to God. Mais frère, qu'est-ce que les gens cherchent encore? Brothers, what are people looking for again? Comme confirmation que ce message est vrai. As a confirmation that this message is true. Dans le premier exode, in the first exodus, quand ils voyageaient, je vous ai prêché ça le dimanche. I preached to you on Sunday while they were traveling. Dans la nuit, at night, Dieu les conduisait. God was leading them. Comme étant une colonne de feu. Being the pillar of fire. Est-ce que vous dites amen? You say amen. Et la journée, and during the day, il était une nuée de gloire. He was a cloud of glory. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Est-ce que Dieu n'a pas fait ça aujourd'hui? Didn't God do it today? La colonne de feu sur la tête du prophète. The pillar of fire on the head of the prophet. Ça conduit l'épouse. Leading the bride. Et le 28 février. And 28 February. Le même Dieu qui était colonne de feu. The same God that was a pillar of fire. Parce que c'était la nuit. Because it was night. Les âges. Ages.
Quand la journée arrive, when the day arrives, il apparaît dans la nuée. He appears in the cloud. Nous sommes un peuple du troisième exode. We are the people of the third exodus. Que ce message est la vérité. That this message is the truth. Et Dieu a dit à Frère Branham, and God said to Brother Branham, tournez la photo à droite. Turn the picture to the right. Quand ils ont tourné à droite, and when they did, c'est le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Il dit voici son nez. He says, behold, il vient avec les anges. He comes with the angels. Qu'est-ce qu'il avait promis? What did he promise? Dans la Bible. In the Bible. Il viendra avec les anges. That he will come with the angels. Il viendra avec une nuée blanche. He promised that he will come with a white cloud. Mais il n'y a pas une nuée d'orage. Rob says, not a cloud of waves. Et où est-ce qu'il devait apparaître? But where is he going to appear? Il avait dit comme le clair s'élève en Orient. He says, has the lightning come from the east? Ainsi sera la venue du Fils. So shall be the coming of the Son of Man. Il dit dans Matthieu, en ces jours-là, he says, in those days, le signe du Fils de l'homme paraîtra. The sign of the Son of Man shall appear. Et le signe du Fils de l'homme apparaîtra. And the sign of the Son of Man appear. Il était sur la terre. But when he was on the earth, dans Luc 18, in Luke 18, il a dit aux disciples, he said to the disciples, l'un de ces jours, one of these days, vous chercherez de voir, you will seek to see him, le jour du Fils de l'homme, the day of the Son of Man, vous ne le verrez plus, but you shall see mais no comme more, l'éclair, but here's the light, part de l'Orient à l'Occident, come from the east to the west, ainsi sera le jour du Fils de l'homme. So will be the day of the Son of Man. Mais Jésus avait un problème. But Jesus had a problem. Il s'est posé la question. He asked himself the question. Il dit quand le Fils de l'homme viendra. He says, when the Son of Man will come. Luc 18. Luke 18. Quand le Fils de l'homme viendra. When the Son of Man will come. Trouvera-tu la foi? Will he find faith? Parce qu'il se disait. Because he was saying to je himself, suis venu dans ma propre chair. I came in my own flesh. Ils m'ont appelé Belzébul. And they called me Belzébul. Mais quand je viendrai. But when I will come. Est-ce que les gens vont croire? Will people believe me? Et il donne la réponse à Luc 17. And he gave the answer to Luke 17. Ce qui arriva au temps de Sodome. That which happened in the day of Sodom. Arrivera au jour du Fils de l'homme. Will happen in the day of the Son of Man. Le Fils de l'homme viendra. The Son of Man will come. Mais ce serait Dieu. But to be God dans une chair humaine. In a human flesh. Est-ce que les gens vont croire? Will people believe? Quand il viendra comme étant incarné. When he will come being incarnated. Mais Jésus avait dit. But Jesus said. Que le monde ne me verra pas. That the world will see me no more. Mais vous. But you. Vous me verrez. See me. Parce que je serai. Because I will be. Avec vous. With you. Dites amen. Say amen. En vous. In you. C'est différent. It's different, eh? Dieu au-dessus de nous. God above us. Dieu avec nous. God with us. Et Dieu en nous. And God in us. Trois dispensations différentes. Three different dispensations. Dieu au-dessus de nous. God above us. C'est le Père. That's the Father. La colonne de feu. The pillar of fire. La journée. The day. La nuée. The cloud. Regardez Dieu au-dessus de nous. Look at God above us. Regardez Dieu au-dessus de nous. God above us. Mais la deuxième chose. But the second thing. Avec nous. With us. Dieu avec nous. God with us. C'est Emmanuel. It's Emmanuel. La parole faite. The word made flesh. La plénitude de Dieu. The fullness of God. Le Fils de l'homme de nouveau. The Son of Man again. Il viendra. That will come. Dans la chair humaine. In a human flesh. Il portera un costume. We'll be putting on a suit. Mais nous, nous allons le voir. But we're going to see him. Et nous l'avons vu. And we saw him. Comment on le reconnaît? How do we recognize il him? Va faire le même signe. He'll do the same sign. Il va discerner les pensées. And he'll discern the thoughts. Alléluia. Hallelujah. Et après cela, and after that, il viendra en nous. He will come in us. Sous forme du Saint-Esprit. In the form of the Holy Spirit. Qui peut dire amen? Who can say amen? Voilà pourquoi aujourd'hui c'est la fête. That is why today is a party. C'est le 8 mars. The 8th of March. Le jour où le prophète. The day that the prophet a été enlevé. Was caught up. Dans cette constellation. In this constellation. C'est la fête de l'épouse. It is the feast of the bride. C'est le mariage de l'agneau. It is the marriage of the et lamb. Et les quatre êtres vivants. And the four living beasts. Étaient dans cette constellation. Being creature was enfin, in c'est le plus grand événement. It is the greatest event. De la rédemption. Of redemption. C'est le jour où le ciel. It's the day that the heavens. Est resté silencieux. Were quiet. Les anges se tombent. Angels were astonished. C'est pour cela. That is why. Pour pendant que le monde fête. While the world feasts. Pourquoi Dieu a choisi cette date-là? Why did God choose that date? Dieu fait toujours ainsi. God always does like that. Levons-nous, mes frères. Shall we stand up, brothers? Aimez-vous la fête de l'épouse? Do you love the feast of the bride? Oh, je n'entends pas vos amens. I can't hear your amens. Voilà, oh, lisons la Bible ici. Let us read the Bible here. Je prends un sujet ici. I'm taking a subject here. De la fête pour nous. Of the feast for us. Lisons ici dans le livre de Jean. Let us read the book of John. Aujourd'hui, nous allons lire les épîtres de Jean. Jean était un aigle. John was an eagle. De Jean. To John. Chapitre 1er.
chapter 1. Deuxième épître de l'apôtre Jean. Second epistle of John. L'ancien à Kyria le lit et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous, qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père, de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Second epistle of John, first. The elder unto the elect lady and her children, whom I love in the truth, and not I only, but also all they that have known the truth, for the truth's sake, which dwelleth in us, and shall be with us forever. Grace be with you, mercy and peace from God the Father, and from the Lord Jesus Christ, the Son of the Father, in truth and love. C'est à cette parole-là que j'ouvre la fête de ce matin. It's in this word that I'm opening the feast of this morning. À vous, Kyria. Kyria s'adresse, c'est toi. Being addressed to you. Lisons Apocalypse chapitre 10. Let us read the book of Revelation chapter 10. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte comme érigé un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Quand les sept tonnerres y firent entendre leur voix, j'allais écrire. J'entendis du ciel une voix qui disait, « Celle s'est conduit les sept tonnerres et ne le crie pas. » Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. Il gira par celui qui vit au siècle des siècles. Et les choses qui sont, qui a créé les ciels, les choses qui sont, la terre, les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qui n'aura plus de temps. Mais, au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Revelation chapter 10, the first verse. And I saw another mighty angel come down from heaven, clothed with a cloud, and a rainbow was upon his head, and his face was as if were the sun, and his feet as pillars of fire, and he had in his hand a little book open, and he set his right foot upon the sea, and his left foot on the earth, and cried with a loud voice as when a lion roareth. And when he had cried, seven thunders uttered their voices. And when the seven thunders had uttered their voices, I was about to write, and I heard a voice from heaven saying unto me, seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not. And the angel which I saw stand upon the sea and upon the earth lifted up his hand to heaven, and swore by him that liveth forever and ever, who created heaven and the things that therein are, and the earth and the things that therein are, and the sea and the things which are therein, that there should be no longer, but there should be time no longer, but in the days of the voice of the seventh angel, when it shall begin to sound the trumpet of God, shall the finish as it has declared to his servant the prophet. Prions. Let us pray. Seigneur notre Dieu, Lord our God, aujourd'hui c'est un grand jour, Père. Today is a great day. C'est le jour où ton saint prophète, it's the day that your holy prophet, il était entré dans cette constellation de la nuée. Was caught up in that constellation. Et cette nuée s'est incarnée dans son cœur. And the cloud was incarnated. Il a eu la plus heart. Grande commission qu'il n'a jamais donnée sur he la had terre. The greatest commission that was Père, il on avait earth. Promis que cette nuée viendra dans notre cœur. Lord, he promised that the cloud would come in our hearts. Seigneur, viens maintenant dans cette fête de l'épouse. Lord, come now in this party of the bride. Que cette nuée puisse entrer dans notre église. Let this cloud come in our church. Dans nos âmes. In our souls. Dans nos familles, Seigneur. In our families, Lord. Enfin, que chacun de nous ce soir, so cet après-midi, Père, Lord, avant de sortir d'ici, Seigneur, qui puisse avoir une grande commission qu'il n'a jamais eu avant. Bénis cette parole. Bless this word. Viens briser la parole pour nous. Break up this word for dans us. Le nom de Jésus. In Jesus Christ's name. Amen. Amen. Asseyez-vous. May be seated. Pour cette fête de l'épouse, for this feast of the bride, mon sujet de ce matin, my subject of this morning, je l'intitule I will entitle it, Kyria Electa. Kyria Electa. C'est un mot latin. It's a Latin word. Et le prophète a utilisé ça. And the prophet used it. Et ici, d'abord, le premier à utiliser ça, c'était l'apôtre Jean. And the first to use it was Apostle John.
Kyria Electa ici là, il a salué l'église. Kyria Electa here greet the church. Il leur a dit en tant qu'ancien qu'il était. And he told them being an elder as he was. Parce qu'il était pasteur, il était l'ancien de l'église. Because he was a pastor, the elder of the church. Il dit en tant qu'ancien. He says being the elder. Il dit à Kyria le lit et ses enfants. He says to and the lady and the children. Et le terme latin c'est Kyria Electa qui signifie la dame élue. And the Kyria Electa, which is a Latin word which means the elected lady. Kyria, c'est la femme qui est choisie parmi plusieurs femmes. It is the woman which is selected among many women. Electa, c'est ça l'élection élue. And elect, that is election being the Jean elect. Essayait de leur montrer ici. John was trying to show them here. Que vous, vous êtes le Kyria Electa. That you are the Kyria Electa. Que la chose qui doit vous combler de joie. The thing which must put you in joy. Vous n'êtes pas comme toutes les églises de la terre. You are not like all other churches on the earth. Vous n'êtes pas comme tout le monde sur la terre. You are not like everyone on the earth. Jean voulait leur montrer la révélation. John wanted to show them the revelation. Et en tant que l'ancien de l'église, that being the elder of the church, vous êtes le Kyria le lit. You are the Kyria the elect. Tu es Kyria Electa. You are Kyria elect. Tu es la femme bien aimée. You are the beloved woman. Tu es la femme choisie parmi une multitude. The chosen woman amongst the multitude. Et tu n'es pas le Kyria Electa des hommes. And you are not the Kyria Electa of men. Mais tu es le Kyria Electa de Dieu lui-même. But you are the Kyria Electa of God himself. Dieu t'a choisi toi. God chose you. Tu es la femme élue. You are the elected woman. Tu es l'épouse choisie. You are the selected bride. Tu es la femme aimée de Dieu. You are the beloved lady of God. Et Jean voulait leur dire que vous êtes cela avec la vérité. And John wanted to tell them that you are that with love. Que vous êtes devenu le Kyrie élect avec la vérité and que vous connaissez. And you became the Kyrie elect with the truth which you know. Et que cette vérité demeure en vous. And let that truth dwell in et you. Et ce matin, mon message ne s'adresse pas à toute l'église. And my message this morning is not addressed to the entire church. Je m'adresse à celui qui est Kyria Electa lui-même. I'm addressing to the one who's Kyria Electa himself. Et quand on arrive à ça, c'est une révélation personnelle. And when we reach to that, it's a personal revelation. Toi-même, tu connais si Dieu t'a choisi ou pas. Yourself, you know if God has selected you or not. Moi, je peux dire que Dieu ne t'a pas choisi. I can say that God never selected you. Mais je ne suis qu'un humain. But I'm just a human. Moi, je peux dire que Dieu ne t'a choisi. I can say that God has chosen you. Mais je ne suis qu'un humain. But I'm only a human. Mais c'est toi-même qui but sais. Yourself, you know. Si tu es le lit de Dieu. If you are God's elect. Si Dieu a laissé toutes les femmes. If God left all other women. Il t'a choisi and toi. And has chosen you. Et remarquez, nous avons lu aussi Apocalypse chapitre 10. Now notice, we read also Revelation chapter 10. Parce que c'est l'écriture qu'Adam attendait. Because this is the scripture that Adam was waiting for. L'ange puissant qui descend avec le livre. The mighty angel that descendeth with the le book. Le pouvoir qu'Adam avait dans le jardin de Dan. The power which Adam had in the Garden of Eden. Et il descend avec la voix de tonnerre. And he comes down with the voice of the thunder. Il y a de cela 50 ans. It's been 52 years. Cette écriture d'Apocalypse chapitre 10. That's this book of Revelation chapter 10. Était toujours dans la Bible. Still in the Bible. Mais il y a 52 ans. But it's been 52 years. Cette écriture est déjà accomplie. This scripture has been already fulfilled. L'ange puissant déjà descendu. The mighty angel had already descended. Et la science a pris la photo. And the science took the picture. Le 28 février. The 28th February. Ils ont pris la photo de la descente de l'ange. They took the picture of the descending of the angel. Parce que Dieu avant de faire quelque chose sur la terre. Because God before he does something on the earth. Il le montre premièrement au ciel. He shows it first in the heaven. Avant la naissance de Jésus. Before the birth of Jesus. Quand Jésus devait naître. When Jesus had to be born. Quand il est né. When he was born. God showed the sign in heaven. And the wise men say, nous avons vu son étoile. We saw his star. Nous sommes venus l'adorer. And we came to worship c'est him. La manière de Dieu de faire. That is God's way of doing it. Il montre toujours les signes dans le ciel. He always showed the signs on the heavens. Parce que le ciel contrôle la terre. Because the heavens control the earth. Si vous croyez, dites un grand amen. If you believe it, say a big amen. Voyez-vous, mes amis. You see that, friends? C'est pourquoi c'est un Dieu qui montre des signes. That's why it's a God that shows signs. Et remarquez, cette écriture accomplit l'écriture de Kyria Electa. Now, look at this. This scripture fulfilled the scripture of Kyria Electa. C'est que Jean disait à son temps. That which John said in his time. Je parlais d'une Kyria à venir. He was speaking about a Kyria to come. C'est Apocalypse chapitre 10. It's Revelation chapter 10. Qui confirme l'épouse de Jésus-Christ. Which confirms the bride of Jesus Christ. Et il y a une épouse sur la terre.
aujourd'hui. Frère Branham dit que Satan le veuille ou pas. Branham says Satan willing it or not. Il y aura une épouse sur la terre. There'll be a bride on the earth. Est-ce que vous dites amen à cela? Say amen to that. C'est quoi le prophète de Dieu dit? That's what the prophet of God says. Quelque chose d'important ici. Something important here. Lisons quelque chose ici avant de continuer. Let's read something here before we carry on. Il dit dans l'union invisible. In an invisible union. Pendant qu'il parle de l'épouse de Christ. While he was speaking about the bride of Christ. Dans paragraphe 62, Frère Branham dit. Paragraph 162. Il dit voyez tout a été bifurqué depuis là comme une feuille. He says look everything was put in there as a leaf. Mais vous vous souvenez lorsqu'elle est redescendue? But notice when it descended. C'est le grain a commencé à mûrir. It was the seed that was getting to maturity or tout reaping. Ce qui était dans cette tige doit mourir. All that was in the branches had to die. Il dit alléluia. He says hallelujah. Ne voyez-vous pas où nous en sommes? He says don't you see where we are? Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ne voyez-vous pas là où nous en sommes? Don't you see where we are? La vie à nouveau dans les grains. The life again in the seed. Qu'est-ce que cela veut dire? What is that supposed to exactement mean? Exactement le grain qui est descendu dans la terre. Exactly the seed that went on the earth. Le the ground. Le même Jésus. The same Jesus. Sous la forme de l'épouse. In the form of the bride. La même puissance, the same power, la même église, the same church, même chose, same thing, même parole, same word. Si vous croyez, dites amen au prophète. If you believe it, say amen to the prophet. Frère Branham nous montre un mystère ici. Brother Branham is showing us a mystery here. Quand nous parlons de Kyrie Electa, that when we speak about Kyrie Electa, l'épouse élue de Jésus, the elected bride of Jesus, cela veut dire que, that means, c'est le même Jésus Christ. It's the same Jesus Christ. Mais dans la forme de l'épouse, but in the form of the bride. Jésus prend une autre forme. Jesus takes another form. Il est le même. He is the same. Mais il change de forme. But changing forms. Jésus au féminin. Jesus in a feminine form. Jésus devient femme. Jesus being a woman. Il devient épouse. Becoming a bride. On va y arriver. We'll get there. Retenez cela très bien, Église. Just keep that very well, church. Le prophète Élie dit encore dans demain futur. The prophet says again in the future home. Il dit là on est dans le huitième jour. He says now there we are in the eighth day. Remarquez que Frère Branham a raconté les anges le 8 mars. Now notice, Brother Branham met the angel the 8th of March. Et nous sommes aujourd'hui le 8 mars. And today we are the 8th of March. Et le dimanche c'est le huitième jour. And the Sunday is the eighth day. Souvenez-vous, Frère Branham, la mathématique de Dieu est parfaite. Remember, Brother Branham says that God's mathematics is perfect. Il dit que quand on arrive au huitième jour, he says when we reach the eighth day, il y a pas que de sept. There is not only seven. Mais ici on parle du huitième jour. But here we speak about the eighth day. Une sainte convocation. One calling. Remarquez, the holy calling. Vous ne travaillez pas. He says, don't you work. Vous ne travaillez pas. You wouldn't work. Le huitième jour. The eighth day. On retourne au premier jour. We are returning to the first day. Eh bien, il s'agit de l'éternité. Well, it is about the eternity. Qui tourne. Which turns. Qui tourne. That turns. Sans s'arrêter. Without ceasing or stopping. Frère Branham dit amen. Abraham says amen. L'assemblée de Frère Branham dit amen. The gathering of Abraham says, the congregation says amen. C'est dans la vie que vous entrez. It's in the seed, in the life that you get into. Pas dans l'observation d'un jour ou d'un nombre. Not the observation of a day or another. Paul a dit dans les Hébreux chapitre 4. Paul said in Hebrews chapter 4. Vous observez les jours et les ombres et des choses comme ça. You are observing the days and the shadow of things like that. J'ai peur de votre expérience. I am fearful of your experience. Vous voyez, on n'entre pas dans les jours et des ordres particuliers. And we don't get into the days and particular days. Vous êtes passé de la mort à la vie. You éternelle. Passed from death to eternal life. Pas des jours et des époques. Not the day and seasons. Vous entrez dans l'éternité. But you get into eternity. Une sainte convocation. A holy calling. Sept. Holy. Seven. Remarquez qui vont passer. Notice, they will pass by. Oh, ce qu'il dit. While what he says. C'est changer à autre chose. Is to change into something else. Huit jours. 8 days. Il est question d'une nouvelle création. It's about a new creation. Vous voyez, pas d'une ancienne création. You see, not an old creation. Huit. Eight. C'est une nouvelle création. It's a new creation. Retenez toutes les questions que je lis. Notice all the quotations that I'm reading now. Dieu aime le nombre 7 dans la Bible. God loves number 7 in the Bible. Mais quand on arrive à 8, but when we reach the 8, on ne compte plus. Abraham says we don't count anymore. C'est le retour à l'éternité. We are returning to eternity. C'est l'éternité qui tourne et qui tourne. It's the eternity turning again and turning again.
On ne vient pas par les observations des lois. We do not come by observation of laws. Mais on vient en tant que les Kyria Electa. But we come as the Kyria Electa. Là, on est dans l'éternité. There we are in eternity. Est-ce que vous dites amen à cela? We say amen to that. Il dit remarquez le huitième jour. He says notice the eighth day. Il ne s'agit plus. It's not about. C'est l'ancienne création. The old creation. C'est une nouvelle création. It's a new creation. Il dit sept jours, il est question, vous voyez. Il dit c'est le huitième jour. He says it's the eighth day. Que notre Seigneur Jésus Christ. That our Lord Jesus Christ. Est ressuscité des morts. Rose from the dead. Voilà votre sainte convocation. That is your holy calling. La sainteté. Holiness. Sans considérer le sabbat du tout. Without considering the Sabbath. Ou les fêtes de tabernacle. Or feast of tabernacle. Ou les fêtes de la Pentecôte. Or the feast of Pentecost. Jésus est ressuscité des morts pour notre justification. Jesus rose from the dead for our justification. Le huitième jour. The eighth day. Après le sabbat. After the Sabbath. La Bible dit après le sabbat. The Bible says after the Sabbath. Jésus n'était pas ressuscité dans le sabbat. Jesus never resurrected on the Sabbath. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Ni avant le sabbat. Not before the Sabbath. La Bible dit après le sabbat. But the Bible says after the Sabbath. Marie de Magdala et l'autre Marie. Mary of Magdala and other Mary. Était partie visiter le sépulcre. Went to visit the tomb. Et quand ils arrivent au sépulcre. And when they reached the tomb. Ils ont vu un ange qui est descendu. They saw an angel descending. Et cela tremblait le sépulcre. And it shook the tomb. Il leur a dit, vous cherchez celui qui est vivant. And he told them, you're looking for the one that is alive. Il n'est plus ici. He's no more here. Il est ressuscité des morts. He rose from the dead. Remarquez, retenez ces choses-là. Now, notice, Jésus n'est pas ressuscité dans les jours qu'on compte. Jesus did not resurrect the day on the day that we count. Parce que le septième jour de la semaine, mes amis. Because the seventh day of the week. Ce n'est pas le dimanche. It's not the Sunday. Le septième jour, c'est le samedi. The seventh day, it's Saturday. C'est le sabbat. It's the Sabbath. C'est là où les Juifs hier ils sont partis au synagogue. That's why the Jewish yesterday they went to the synagogue. Les Juifs ne croient pas à l'adoration le dimanche. The Jewish they don't believe in worship on the Sunday. Parce qu'ils sont toujours avec Moïse. Because they're still with Moses. Moïse leur a dit que vous travaillerez six jours. Moses told them, you shall labor for six days. Mais le septième jour, but the seventh, ce serait le repos. It will be a rest. Le sabbat. The Sabbath. Et le samedi vient du mot sabbat. And the Saturday come from the word sabbat. Qu'on appelle sabbata. What we call sabbata. En hébreu, voyez-vous, Hebrew. C'est là où les Juifs les voient. That's why you see the Jewish here on Saturday. Mais nous on adore le dimanche. But we worshiping on a Sunday. Parce que. Because. Le fondateur de notre église. The founder of our church. Il est mort le vendredi. Died on a Friday. Est-ce que vous êtes avec are moi? Are you with me? Et il est mort le vendredi. He died on a Friday. Il avait dit que le troisième jour. He said the third day. Je ressusciterai. I will rise again. On l'a enterré le vendredi. He was buried on Friday. Premier jour. First day. Le samedi. Saturday. Sabbat. Sabbat. Deuxième jour. Second day. Il a ressuscité après he le rose sabbat. After the Sabbath. Le huitième the jour. The eighth day. Or le huitième jour. What is the eighth day? C'est le retour. It's the return. Au commencement. To the beginning. Est-ce que vous comprenez ça? Are you understanding this? Continuons. Let us carry on. Si vous avez compris avec Jésus, if you understood with Jesus, alors vous devez croire aux âges. Now you must believe also the ages here. Il y remarque no, maintenant. Now he says notice. La Bible dit cela, l'ancien est passé. Jésus est resté le huitième jour. The Bible says the, Jesus remained the eighth day. Il dit, he says, l'éternité, huit. Eternity, eight. C'est comme un anneau. It's like a ring. Ça dit l'éternité, le nombre huit. Meaning number eight. C'est comme une bague, un anneau. It's like a ring. Vous voyez un anneau? You see a ring? Ça tourne, ça tourne. It turns. Et huit, c'est deux anneaux. And eight, it's actually two rings. Deux zéros ensemble. It's two zero together. Je sais pourquoi j'insiste. I know I'm emphasizing on this. Si vous croyez, dites un grave. You understand? Say amen. Maintenant, il continue. Now he carries on and says. Voyez-vous, c'est l'état est terminé. You see that it finished? C'est après le sabbat. It's after the Sabbath. L'éternité comme un agneau. Eternity like a lamb. Vous n'avez plus des angles. You do not have angles anymore. Vous n'avez pas d'endroit où vous arrêtez. You don't have a place vous to throw. Vous tournez dans un cercle you parfait. You are just turning in a perfect circle. Voyez-vous? Do you see?
Il dit tout ce qui a été créé ici-bas est perfect. And he says all that was created by perfection. Là-bas au commencement. There at the beginning. Et Frère Branham continue là. Attendez-vous cela? He says, do you hear that? Il dit encore remarquez. He says again, notice. C'est le huitième jour que Jésus est resté des morts. It's the eighth day that Jesus rose from the dead. Le roi éternel. The eternal king. Avec le royaume éternel. With the eternal kingdom. Pour être baptisé dans la vie éternelle. To be baptized in the eternal life. Pas le sept. Not the seven. Mais le huitième but jour. The eighth day. Remarquez après 50 ans. Notice 50 years after. Sept sabbats est passé. Seven sabbaths passed by. Il y a encore une autre sainte convocation. There is another holy calling. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. The Holy Ghost descended the day of Pentecost. Le huitième jour. The eighth day. Voyez-vous? Do you see? Le voilà votre sainte convocation. That is your holy calling. Vous êtes dans le royaume de Dieu. You are in the kingdom of God. Avec la vie éternelle. With eternal life. Avec les prédestinés. With the predestinated. Écoutez, Frère Branham. Listen, Frère Branham. Qui n'ont jamais commencé. That never began. The thing that I'm preaching here. Je prêche aux gens qui n'ont jamais eu de commencement. I'm preaching to people that never had a beginning. Ça n'a pas commencé un certain jour. It never started a certain day. Vous n'avez pas été sauvé un certain jour. You were not saved a certain day. Vous avez toujours été sauvé. You had always been saved. Frère Branham dit amen. Frère Branham says amen. Jésus est venu simplement. Jesus simply came pour racheter de ça. To redeem that. Mais vous, but you, vous étiez déjà sauvé. You were already saved. Dès le commencement, from the beginning, parce que because vous avez la vie éternelle, you have eternal life. Est-ce que vous dites amen? Are you saying amen? Je n'ai pas été sauvé le jour où j'ai été baptisé. I was not saved the day that I was baptized. Ni le jour où je suis venu à l'église. Nor the day that I came to church. J'ai toujours été. I have always been. Jésus est venu seulement racheter. Jesus only came to redeem. Il n'est pas venu m'acheter. He never came to buy or purchase. J'ai toujours été. I had always been. Dites amen à cela. Say amen to that. Vous voyez, you see, le huit ne peut pas être compté dans la semaine. The eighth cannot be counted during the week. On ne compte pas le huit dans la semaine. We do not count the eight during the week. Vous voyez, you see, ce n'est pas possible. It's not possible. Parce qu'il n'y a que sept jours. Because there is only seven days. Mais le dimanche, ce n'est pas le septième jour. But Sunday is not the seventh day. C'est le huitième jour. It's the eighth. Vous comptez vos sept. You counting your seven. Mais pas le huit. But not the eight. Et nous en avons vécu tous les types. And we had lived all the types. Quand vous en arrivez au huitième jour, when you reach the eighth day, vous entrez dans l'éternité. You get into eternity. Vous comprendrez pourquoi les anges sont venus de l'éternité. You'll understand now why the angels came from eternity. Ils devaient rencontrer Frère Branham le huit. They had to meet Frère Branham the eighth. Et à huit heures, and at eight. Et même s'ils étaient au nombre de sept, and even though they were number seven, il a fallu que ça soit huit. They had to be eight. C'est pourquoi Frère Branham a été enlevé. That's why Frère Branham was caught up. Lui aussi comme un ange. Him also being an angel. Pour compléter huit. To add and become eight. Pour qui? For who? Pour une épouse huit. For a bride eight. Or l'épouse huit. While the bride eight. Ce n'est pas une épouse qui le devient. It's not a bride that is becoming it. C'est Kyria Electa. But it's Kyria Electa. Une épouse élue. An elected bride. Or on n'est pas élu sur le temps. We are not elected during time. La Bible dit. The Bible says. On est élu. We were elected. Predestinated. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. C'est à ce Kyria là que je prêche ce matin. It is that Kyria I'm speaking to this morning. Oh, les types sont terminés. While the types are finished. Frère Branham dit, voilà une vraie sainte convocation. Branham says, that is a holy calling. Convocation. Écoutez maintenant. Quand now nous sommes à la fin du septième âge de l'église, when we are at the end of the seventh church age, je ne sais pas si vous êtes vraiment avec moi. I don't know if you're really with me. Frère Branham le prend dans l'Ancien Testament. Frère Branham takes it from the Old Testament. Dans les jours. During the days, il prend ça avec Jésus. He takes it with Jesus. Et il prend ça aussi dans la vérité. And he also takes it in the truth here. Quand les âges sont terminés, when the ages are finished, quand on arrive à la fin du septième âge de l'Église, when we reach at the end of the seventh church age, l'âge de la Pentecôte est terminé. The age of Pentecost is finished. Nous entrons dans une sainte convocation. We come now in a holy convocation.
Nous entrons dans l'éternité authentique. We're getting into the authentic. Éternité authentique. An eternal authentic. Réel. A real one. Authentique. An authentic one. Écoutez, Frère Branham. Now, listen. Où l'église est appelée? Where the church is called? Pas une station. Not in a station. Chaque jour, donc. No, every day, gift upon gift. Guérison. Healing upon healing. Une station. That's standby. Une stationnaire. A standby church. Pas une station. Not in a standby or station. Pas une dénomination. Not in a denomination. Vous comprendez aujourd'hui Kyrie Electa. You'll understand today what is Kyrie Electa. Tous ces frères là ou l'ancien dit ceci. Oh, the elder said that. Les chefs a dit ceci. Oh, the boss said that. Ils sont morts. They are dead. Ils sont dans ça parce qu'ils ne sont pas entrés dans le huitième jour. They are into that because they never got into the eighth day. Dans le huitième jour. By the eighth day. Il y a plus de station. There is no more station or standby. Une église stationnaire. A standby church. Nous croyons ça. We believe this. C'est terminé. Then that's all. Non. No. Nous continuons à croire. We carry on believing. Au fur et à mesure que la parole the continue. More the word goes on. Pas une station. Not a standby church. Pas une dénomination. Not a denomination. C'est big amen to that. Mais. But. Entrer dans l'éternité. Get into eternity. Avec le roi éternel. With the eternal king. La reine d'Angleterre, c'est une reine du temps. A queen of England is a queen of time. Le roi de l'Arabie Saoudite, c'est un roi du temps. The king of the Arabs, the South Arabia, is just a king of time. Le roi de Swaziland, c'est un roi du temps. The king of Swaziland is a king of time. Le roi Makoko, c'est un roi du temps. The king Makoko is for a time. Mais qui est ce roi éternel? But who is this eternal king? Son nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. His name is the Lord Jesus Christ. Vous êtes avec lui un roi éternel. You are with him, an eternal king. Ça n'a rien à voir avec tous les jours et ces choses. It has nothing to do with the days and all. Maintenant, Ephésiens 1:10 dit. Now, Ephesians chapter 10:1 says. La plénitude du temps. The fullness of time. Quand la plénitude du temps arrive. When the fullness of times arrives. C'est là où le temps est déjà accompli. That is when the time has been already fulfilled. Quand il n'y a plus de temps. When there is no more time. Quelle est l'écriture de la Bible? Amen. What is the scripture of the Bible? Dont Dieu jure. Where God swore. Et il n'y a plus de temps. And says there is no more time. Dans toute la Bible. In the entire Bible. C'est Apocalypse chapitre 10. It is Revelation chapter 10. J'ai vu un autre ange. I saw another mighty angel. Il a juré. And swore. Qu'il n'y aura plus de that temps. There will be no more time. Quand ceci arrivera. When that will happen. L'église est dans l'éternité. The church is in eternity. L'éternité. Eternity. Une fois que le septième âge de l'église est terminé. Once the seventh church age is finished or is elapsed. L'âge de Luther est terminé. The age of Luther is elapsed. Dites un grand merci là. Say big amen to that. Si tu étais protestant ici. If you're protestant here. Tu veux rester protestant. You want to remain protestant. Je t'informe. I'm informing l'âge you. L'âge de Luther est déjà terminé. That the age of Luther has been already finished. L'âge méthodiste est terminé. The Methodist age is also finished. Si tu étais méthodiste, if you're Methodist, l'âge méthodiste est terminé. The Methodist age is already finished. L'âge des pentecôtistes est terminé. The Pentecostal age is also finished. Dites amen à cela. Say amen to that. Dites amen. Say amen to that. Je suis pentecôtiste. I'm Pentecostal. Cet âge-là est déjà terminé. That age is already finished. C'est terminé, mes frères. It is finished, brethren. Nous ne sommes plus dans l'âge des Pentecôtistes. We are no longer in the Pentecostal age. Tu vois même les frères du message, non? That's why you see even brothers in the ils message. Ils sont là les dons chaque jour. They take gift every day. Ça c'est du Pentecôtisme. That is Pentecôtisme. Cet âge-là est terminé. That age is already passed. Et tout est terminé. And all is finished. Quand tous ces âges-là terminent. And when all those ages finishes. Maintenant vous entrez dans quoi? Now what do you get into? Dans l'éternité. In eternity. Un autre âge. Another age. L'âge de l'épouse. The bride's age. Glory be to God. L'âge de l'épouse. The bride's age. Il n'y a plus de sept. There is no more seven. Rien d'autre. Nothing else. Ils sont dans l'éternité. They are in eternity. Croyez-vous au prophète? Do you believe the prophet?
Croyez-vous à Frère Branham? Do you believe Brother Branham? Remarquez pour que vous puissiez comprendre. Now, notice for you to understand. Remarquez que l'ange puissant est descendu. Notice, the mighty angel came down. Dieu a dit à Moïse, vous compterez les jours. God told Moses, you count days. Le premier jour, the first day, le deuxième, the second, le troisième, le quatrième, le cinquième, et le septième, and the seventh. C'est le sabbat. It is the Sabbath. Le repos de Dieu. The rest of God. Ça, Dieu a fait ça avec Moïse. That God did it with Moses. Et les enfants d'Israël suivaient ça. And the children of Israel was following that. Mais quand le Seigneur Jésus est venu, but when the Lord Jesus Christ came, ça, ce sont les ombres du temps. Those are just the shadows of time. Les lois, les 10 commandements de Moïse. Laws, the 10 commandments of Moses. Tu ne commettras pas adultère. You will not commit adultery. Tu ne feras pas ceci. You won't do this. Tu ne tueras pas. You won't kill. Tu vas honorer le sabbat. You'll honor the Sabbath. Tout ça là, all that, ce sont les commandements du temps. A commandment of time. Les jours du sabbat, on ne travaille pas. The day of the Sabbath, we do not work. Tout est en repos. Everything is in a rest. Mais quand lui Jésus vient, but when him Jesus comes, il est le fils de l'homme. He says the Son of Man. Est le maître du sabbat. He is the master of the Sabbath. Un jour, one day, la loi de Moïse, the law of Moses says, quand vous attrapez une femme adultère, when we catch a woman in adultery, il faut les lapider. You must stone her. C'était des lois du temps. Those were laws of time. Quand le roi éternel vient, when the eternal king comes, on l'amène une femme adultère. They bring an adulterous woman. Ils pensaient que lui va appliquer les lois du temps. They thought that he will apply the laws of time. Praise God. Il n'a jamais été dans le temps. He was never into time. Parce que selon les lois du temps, because according to the law of time, on devait les lapider. She had to be stoned. Mais lui, il a commencé à écrire sur la terre. But he started to write on the ground. Est-ce que vous dites amen? You say amen? Et depuis lors, personne ne nous a dit qu'est-ce que Jésus amen. Écrivait. And since then, there is no one that has ever said what was Jesus writing down there. Allez demander à tous les pasteurs. Go and ask all the pastors. La Bible dit que Jésus écrivait. The Bible says Jesus was writing. Et quand il écrivait, and when he was writing, chacun commençait à partir. Each one was going. Mais pourquoi ils partaient? But why were they going? Et après tout le monde est parti. After everyone left. Et Jésus a dit femme, and then Jesus said woman, ne pêche plus. Please don't you sin no more. Je te pardonne. Just go and I've forgiven you. Qu'est-ce que Jésus écrivait? What was Jesus writing? Quand le septième ange vient. But when the seventh angel comes. Quand Frère Branham vient. When Brother Branham comes. Il dit, he says, Jésus écrivait le péché de chacun. Jesus was writing the sin of each one of them. On accusait de l'adultère. She was being accused of adultery. Et même elle le faisait en coulisses. They were also doing it in a hidden way. La différence. The difference. La femme a été attrapée. The woman was caught. Parce qu'elle est une fille de Dieu. Because she's a daughter of God. Mais elles sont les filles de Satan. But they were the sons of Satan. Et comme ils sont, on va l'accuser. Okay, we're gonna accuse her. On va la we're gonna accuse and stone her. D'accord. Jesus was like, okay, fine. Il écrit toi, tu as fait. He was writing the sin. Va, oh, each one will come and read and then leaves. Il a commis mon problème. He knows my problem. Tous sont fui. They all ran away. Quand ils ont fui, and when they ran, Jésus l'éternel. Jesus being eternal. Croyez-vous que Jésus est éternel? Do you believe that Jesus is eternal? Un fils nous est né. A son is being given on to us. On l'appellera conseiller. We'll be called the eternal father. Il dit femme. He says woman. Nous ne sommes plus dans les sept. We are no longer in the seven. Pas dans les lois de Moïse. We are no longer in the laws of Moses. Tu es devant l'éternel. You are in front of the eternal. Dans les huit. In the eight. Va. Go. Ne pêche plus. And sin no more. Il n'a pas tué un agneau. You never killed a lamb. La loi disait il faut tuer un agneau. The law says you have to slaughter a lamb. Quand on entre dans les huit. When we get into the eighth day. L'agneau change. The lamb changes. L'expiation change. The atonement changes. La manière de pardonner les péchés change. The way of forgiving sins changes. Là-bas dans le 8, there in the 8, il ne s'agit que de l'éternité. It's all about eternity. Alors lui Jésus, now him Jesus, il dit femme, he says woman, ne pêche plus. Sin no more. Pourquoi? Why? Jésus n'était pas le septième. Jesus was not the seventh. Il est toujours le huitième. He's always the eighth. Voyez-vous? You see? Parce qu'il était l'éternité. Because he was eternity. Jésus le fait entrer dans le huitième jour. Jesus brought her into the eighth day. Là où il n'y a pas de loi. Where there is no laws. Mais il y a le Kyria Electa. There is only the Kyria Electa. Et ils n'ont pas compris ça. And they never understood that. Et on l'a tué. And she was killed.
Il est mort. He was killed and died. Après leur sabbat. After their Sabbath. Regardez. Look here. Un jour. One day. Lui il est parti guérir un malade. He went to heal a sick. Le jour du sabbat. The day of the Sabbath. Parmi les accusations qu'on a accusé Jésus. Amongst the accusation which was given to us about Jesus. Que, one of them were. Il n'obéit pas au sabbat. He does not obey the Sabbath. He does not obey the Sabbath. Moïse a dit d'honorer le sabbat. Moses said he must honor the Sabbath. Il guérit les malades au sabbat. He's healing the sick on the Sabbath day. Jésus leur a dit. Jesus told them. Le fils de l'homme. The son of man. Est le maître du sabbat. He is the master of the Sabbath. Adventiste du septième jour. Seventh day Adventist. Pourquoi vous êtes dans le sabbat? Why are you still in the Sabbath? Nous sommes en Jésus Christ. We are in Jesus now. C'est la fin du sabbat. It is the end of the Sabbath. C'est au-delà du sabbat. It is beyond the Sabbath. Or le sabbat c'est le septième. That is, the Sabbath is the seventh. Au-delà du sabbat. Beyond the Sabbath. C'est le huitième jour. It's the eighth day. Or huit n'existe pas dans le comptage. Now eight does not exist in the counting. C'est plutôt le retour. Actually, it's the returning. Au commencement. To the beginning. C'est pourquoi Jésus. That's why Jesus. Ne pouvait pas ressusciter le sabbat. Could not rise on the Sabbath day. Après le sabbat. But he rose after the Sabbath. C'est venu le dimanche. That means Sunday. C'est là où il est ressuscité. That's where he rose. Le dimanche n'est pas le septième jour. Yeah, Sunday is not the seventh day. Le septième jour c'est hier. Seventh day was yesterday. Le dimanche c'est le jour de l'éternel. Sunday is the day of the eternal. C'est après le sabbat. It's after the Sabbath. C'est pourquoi dans ces temps-là. That's why on those days. La différence entre un chrétien. The difference between a Christian et un juif, and a Jew. Les juifs allaient au synagogue le samedi. The Jewish were going to the synagogue on Saturday. Mais les chrétiens allaient le dimanche. But the Christians were going on Sunday. Qui peut dire un grand merci? Who can say amen to that? Le jour des musulmans c'est le vendredi. The day of Muslim is Friday. Parce qu'ils sont la semence d'Ismaël. Because they are the seed of Ishmael. Ils sont perdus. They are lost. Je vais attendre un amen. And I hear a big amen to that. Mais regarde comment ils obéissent le vendredi. But look how they obey the Friday. Ils ferment leurs boutiques. They close up the shops. Parce que Abraham a trois fils. Because Abraham has got three sons. Ismaël. Ishmael. Vous dites amen. You say amen. Isaac. Et le fils royal. And the royal le son, Seigneur Jésus-Christ. The Lord Jesus. Dieu bénira le monde entier par ces trois fils-là. God will bless the whole world by those three sons. Les musulmans sont perdus. The Muslims are lost. Les juifs sont la semence d'Isaac. The Jewish are the seed of Isaac. Leur jour c'est le samedi. Their day is the Saturday. Mais nous sommes la semence royale. But we are the royal seed. Notre jour c'est le dimanche. Our day is on Sunday. Frère Branham me dit. Frère Branham says. Le dimanche on ne reste jamais à la maison. Don't you ever stay at home on a Sunday. Il dit, c'est un péché. He says it's a sin. Comme tout autre péché. Like all other sins. Je n'ai pas allé à l'église le dimanche. Not going to church on a Sunday. Combien ici ne viennent pas le dimanche? How many of you do not come here to church on Sundays? C'est le jour de l'éternité. It's the day of eternity. Il est ressuscité le huitième jour. He rose on the eighth day. Pour notre justification. For our justification. Vous dites amen à cela? You say amen to that. Vous dites amen? You say amen. Maintenant, après le problème de Jésus, now, after the problem of Jesus, Frère Branham me dit maintenant, says now, là on va arriver avec vous. Now, there will reach quand vous lisez dans l'Apocalypse, when you read Revelation, il y a sept âges de l'Église. There are seven church ages. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Right to the age of Ephesus. Ici nous avons l'âge d'Éphèse. We've got the Ephesus church age. Ici nous avons quoi? What do we have next? Hein? Smyrne. Ça est dans votre Bible. It's in your Bible. Ici nous avons Pergame. Pergamus. Ici nous avons quoi? Thyatira. Ici nous avons quoi? Sardes. Ici nous avons Philadelphie. We have got Philadelphia. Et le dernier âge. And the last age. C'est là de Laodicée. It's the Laodicea church age. Ça est dans Apocalypse là. It's in Book of Revelation. C'est l'âge où nous vivons. That is the age we're living now, the seventh. Et dans chaque âge. And in each age. J'ai vu Jésus avec sept étoiles. John saw Jesus with seven stars. Ce sont les sept messagers. Those are the seven messengers. Est-ce que vous dites amen? You say amen. Le premier messager c'est Paul. The first messenger was Paul. Chez les gentils. With the gentles. Le deuxième messager c'est Irénée. The second was Irenaeus. Le troisième messager. The third messenger. C'est Colomba. Columbus. Le quatrième c'est Martin. Martin. Le cinquième c'est Luther. Luther. Le sixième c'est Wesley. Wesley.
Et le septième messager, the seventh messenger, le dernier, the last, c'est Élie le prophète, Elijah the prophet, c'est William Marion Branham. William Marion Branham. Vous dites amen à cela? Say amen to that. Voyez-vous, les églises croient à ça. Now, churches believe this. Ils croient que Paul est le premier messager. They believe that Paul was the first. Quand on arrive au sept, when we reach the seventh, ils font point d'interrogation. They put a question mark. Pourquoi vous mettez point d'interrogation? Why do you put a question mark? Dieu n'a que sept âges. God has got with seven age. Et Jean l'a vu avec sept grands envoyés. And John saw him with seven greater saints. Alléluia. Vous dites que ici il n'y a pas d'envoyé? You say there the seventh there are no saints? Dieu doit envoyer un homme. God must send a man. Un grand messager. A great messenger. Il a déjà envoyé. And he already sent him. C'est ça la vie éternelle. This is eternal life. C'est pourquoi Jésus avant de mourir. That's why Jesus before he dies. Il dit la vie éternelle. He says eternal life. Celui qui reçoit le Seigneur Jésus. The one that received the Lord Jesus. Comme son sauveur personnel. Like his personal savior. A la vie éternelle. Has got eternal life. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Il ajoute. He adds again say. Celui qui reçoit. The one that receives. Celui que moi j'ai envoyé. The one that I have sent. Me reçoit. Receives me. Ça devient compliqué. It becomes not hard, eh? Ça dit recevoir Jésus. Meaning receiving Jesus. Ce n'est pas Jésus, je te reçois. It's not Jesus, I receive you. Tu dois recevoir. You must receive now. L'envoyé de Jésus. The sent of Jesus. Dans votre temps. In your days. Écoutez-moi bien cet après-midi. Now listen to me carefully this afternoon. Avec tout le respect que je vous dois, mes frères et sœurs. With il y a des chrétiens. They are Christians. Sanctifiés. Sanctified. Qui vont se retrouver en enfer. That will find themselves in hell. Parce que. Because. Ils n'ont pas reçu. They never received le messager de leur temps. The messenger of the time. C'est très dur. It's very hard. Vous devez recevoir le messager. You must receive the messenger. C'est ça la prédestination. That is even predestination. Tu connaîtras qui est le messager you de l'âge. You will know who is the messenger of the age. Dieu n'envoie pas plusieurs personnes au même moment. God does not send a lot of saints at the same time. Non. No. Il a envoyé Noé seul. He sends Noah, Noah alone. J'ai mon cousin qui est un prêtre catholique. I've got a cousin who's a Catholic priest. Il m'a dit que même mon petit he frère. Told me my young brother, tu veux dire vraiment? You really want to say? Toutes les catholiques ici que nous prions. That all these Catholics that we pray here. Dieu va nous faire perdre. God will get us lost. Dieu est miséricordieux. God is so merciful. J'ai dit écoutez, grand said, frère. Listen, elder brother. Au temps de Noé, il y avait des milliards de gens. In the time of Moses, there were in the time of Noah. There were millions of people. Ils allaient à l'église. They were going to church. Dieu choisit Noé seul. God chose Noah alone. Tu peux prier Dieu de Noé. You can shout and say God of Noah. Si tu veux être sauvé, if you want to be saved, tu dois suivre Noé. You must follow Noah. D'entrer dans l'arche. Get into the ark. Il m'a dit c'est vrai. He told me that's true. Il dit je vais aller plus loin. I said I will go even further. J'ai dit en ces jours-là Dieu sauva une seule famille. I said in those days, God saved only one family. Dieu n'a pas eu pitié. God wasn't merciful. Et il aurait pitié de cet homme. He'll be pitiful toward you at this time. Il dit le temps se diffère. He said times have changed. J'ai dit ça ne se diffère pas. I said it doesn't change. Il m'a dit montre-moi les scriptures. Show me the scripture. J'ai dit lis ta Bible. I said read your Bible. Jésus a dit. Jesus said. Ce qui arriva. That which happened. Au temps de Noé. In the time of Noah. Will happen. Aujourd'hui. Today, the day of the Son of Man. Il m'a regardé. He looked at me. Il m'a dit toi, and he says, you, tu connais trop. You know a lot. Oh, j'ai dit oh viens. Like c'est toi qui es parti à l'université. Like, you are the one who went to university. Il est docteur en théologie. He's a doctor j'ai in mais il me semble que like, moi like je suis un simple diplômé. I'm a diplomat, mais il me semble que je suis ton professeur. Like, I'm your professor now. Il m'a dit oui. He said of course. Je comprends que toi tu es prof. He says, I j'ai dit bon, dis-moi où est-ce que j'ai eu mon diplôme. He asked me now, ask me j'ai dit je vais te faire entrer dans l'école. I told him I'll put you in a school. De la généalogie, of genealogy, de prier of beaucoup, philology, de lire la Bible, praying a lot, et de lire l'interprète de la Bible, to also read the interpreter of the Bible. Il m'a dit c'est vrai. He said it's true. Vous les Branhamites, you Branhamites, vous êtes dans la vérité. You are in the truth. Parce que l'écriture que tu m'as dit que non, tu joues là. So you are playing there. Ça arrivera de même. It will happen likewise. Maintenant, quand le septième âge termine, now when the seventh age finishes. Nous entrons dans un autre huitième. We get into another an eight. Or, quand on entre dans huit, now when we get into eight, plus question de messager. It's no longer about messengers. C'est Jésus lui-même. It's Jesus now himself.
On a dit que dans huitième c'est Branham. Did we say that in the eighth there is Branham? No. Branham est dans le sept. Branham is in the seventh. Avec les pôles. With the pole. Quand on compte. When we Mais count. Quand on entre toujours dans huit. But when we get into the eighth. C'est Dieu lui-même. It's God himself. Mais le problème. Now the problem. La forme qu'il prendra. The form that he will take. Vous avez compris ici? You understood over there? Maintenant, retenez cela. Now, keep that in mind. Dans le huitième, in the eighth, il ne s'agit plus de Paul. It's not about Paul. Ni de frère Branham. Neither brother Branham. Quand on entre dans le huit, when we get into the eighth, c'est Jésus lui-même. It's Jesus himself. Mais faites attention. But you gotta be careful now. S'il vient, if he comes, il porte le costume de Zakola. He put the suit of Zakola. Toi, tu dois avoir le discernement. You must have the discernment de le reconnaître. To recognize him. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'a dit. Somebody told me. Si Jésus vient ici, if Jesus comes now, je le reconnaîtrai. I'll recognize him. J'ai dit, tu es un menteur. I say you are such a liar. Tu ne le reconnaîtras pas. You will not recognize him. Comment ça? He said how? Il a vécu avec. He says he lived with them. Les disciples en train de manger. His disciples were eating along with him. Pendant 3 ans et 2. For 3 years and a half. Akabonika mikolomi balé. They only split it for 2 days. À la croix. At the cross. Le dimanche. But Sunday. Quand il ressuscite. When he rose. On ne le reconnaît plus. They don't recognize him. Ils again. Ont marché avec lui dans they le chemin de Emmaüs. Depuis le matin. Since morning. Jusqu'au soir. En train de causer. Talking to him. Ils ne l'ont pas reconnu. But they did not recognize him. On le reconnaît pas. You don't recognize him. Mais comment le reconnaître? But how do you recognize him? Quand il a fait le signe. When he did the sign. Il a marché avec eux. He walked with them. Depuis le matin. Since morning. Comment vous allez? How are you? Nous allons bien. We're fine. Pourquoi vous êtes fatigué? Why are you tired? Il dit, oh. Toi tu es la seule personne you qui le connaît parce que. That don't know what happened. Qu'est-ce qui est arrivé? What happened? Il y avait Jésus. Well, there was a certain Jesus. On croyait qu'il était Messie. Well, we thought he was the Messiah. Mais on l'a crucifié. But he was crucified. C'est vrai, nous sommes tristes. That's how we say. Il dit, ah bon? He says, oh, that's il a it. Commencé à l'expliquer. He started to explain to them. Et la parole avait dit ceci. The word says this. La parole, il ne comprenait rien. Il they parlait avec understand. Jésus. They were speaking to Jesus. Pendant 6 heures. For 6 hours. De marche. Of walking. Du matin au soir. Morning till evening. Ils ne l'ont pas reconnu. But they did not recognize him. Ils sont entrés à la chambre. They got into the room. Mais ils ont dit, mais tu connais beaucoup la parole. Said, you know a lot the word, il a dit, bon, moi je pars. Il dit, non, said, non, non, I'm going. He said, no. Entrez un peu avec. Come in first with us. Quand il entre, when he gets in, il prend le pain. He takes the bread. Quand il fait le même when he break, on l'a reconnu. When he breaks that, then we recognize on him. Le reconnaît. We recognize him par le signe. By the signs. Hallelujah. Glory be to God. Sa forme. Not by his form. Parce qu'il change de because forme. He always changes form. Même Jean. Even John. Jean dormait sur son. John was sleeping upon his shoulders. Mais dans Apocalypse. But in Revelation. Il ne l'a plus he did not recognize him. Vous avez besoin d'un prophète. You need a prophet. Qui va vous dire. That will tell you. Voici Jésus. Behold Jesus. Le huitième jour. The eighth day. Amen et tabernacle. Amen tabernacle. Il ne s'agit plus de Branham. It's not about Branham. C'est Jésus it's lui-même. Jesus himself. Glory si vous croyez ça, dites amen. If you understand, believe that. Maintenant, on va entrer dans ça et on va terminer. Now we'll get into it and finish. Vous avez compris le tableau là-bas. You understood the board over there. Maintenant, réveillez-vous, remarquez. Now, wake up. Dieu a envoyé Frère Branham. God sent Frère Branham. Pour appeler l'épouse. To call the bride. Il lui donna la commission. He gave him the commission. En 1955. In 1955. Frère Branham est parti prêcher. Frère Branham went to preach. À Oklahoma. At Oklahoma. C'était le frère Jenny Norman. It was the brother Jenny Norman. Qui avait organisé les réunions. That organized the meeting. Et Frère Branham a commencé à leur montrer. And Frère Branham started to show them. Que rentrons dans ce que Paul avait dit. Let us return to what Paul said. Et baptême au nom de Jésus. Baptism in the name of Jesus. Jésus est Dieu. Jesus is God. Et les prédicateurs ont commencé à quitter la salle. Preachers started to come out of the hole. Ils voulaient tellement baptiser au nom du Père Fils. They wanted to be baptized in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. They forsook Frère Branham. Frère Branham resté seul à la chaire. Frère Branham remained alone. Avec le frère Jenny Norman. With brother Jenny Norman. Il était humilié. He was so humiliated. Et quand il sort, when he get out, Dieu dit à Frère Branham, don't ever Branham. Ne t'en fais pas. Don't you worry. À partir d'aujourd'hui, from today on, cette ville, this city, est
sous le jugement. He's under judgment. Il n'y a aucune personne there is nobody qui sera enlevée dans cette ville. That to be caught up in this city. C'est le jugement ici. It is judgment here. Dieu lui a dit, ainsi le Seigneur. God told him, that said the Lord. Dit à Jenny Norman, that Jenny Norman, de quitter cette ville. To leave this city. D'aller vivre à Jeffersonville. To go and live in Jeffersonville. Est-ce que vous me suivez? Do you say, et le soir, and the evening time, Dieu lui montre la vision. God showed unto him the vision. Le jour où tu verras the day you will see la municipalité, the municipality venir arracher coming to take out les bordures de ta parcelle, the edges of your yard. Il s'est vu dans la vision, he saw himself in a vision dans un chariot, in a chariot avec sa femme et with his wife Maida, et les enfants and the children, en train d'aller à l'ouest. They're going to the east. Il dit le jour où tu verras and ça, he says, the day you will see that, quitte Jeffersonville, so you're going toward the west. They said, va à l'ouest. Go to the west. Je te rencontrerai là-bas. I will meet you over there. Et je te donnerai. And I will give you la plus grande commission. The greatest commission. Que je n'ai jamais donné à un prophète. That I've never given any prophet. Pour te consoler. To comfort you. Et Frère Branham, and Brother Branham a écrit ça. Wrote it down. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Je vous parle de l'histoire de la rédemption. I'm speaking unto you the story of redemption. Alors, and then, on arrive en 1962. We reach 1962. Tout le monde doit abandonner Frère Branham. Everyone forsook Brother Branham. Son ministère a eu des baisses. His ministry actually declined. Et ce jour-là, à 10h, that day now, at 10, il était en train de dormir dans sa chambre. He was sleeping in his house. C'était le 23 décembre 62. It was the 23rd December 62. Il remarquait. Notice. Quand il s'est réveillé, when he arose, he had his hand in the bed. Il dit, oh Seigneur, he says, oh Lord, je me sens fatigué. I'm feeling tired. Et directement, and immediately, il entre dans la vision. He got into a vision. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? Il voit la vision. He sees a vision. Sept oiseaux. Seven birds. Des petits oiseaux. Little birds. Fatigués. Tired birds. Ils sont passés. They fled. Après, il voit sept and colombes. And he saw again seven doves. Fatigués. Tired. Ils sont passés. They fled also. Après, il voit sept anges. And afterward, he sees seven angels. Black comme neige. White as snow. Ils sont venus avec une déflagration. They came almightly. Et ils sont passés. And then they passed by. Il est sorti de la vision. He came out of the vision. Il dit, c'est la vision la plus glorieuse. He says, that was the glorious vision. Il dit, Seigneur, he says, Lord, est-ce que c'est maman? Is it my death? Tu envoies les anges pour m'amener à la are maison. You sending angels to take me home? Il dit, Seigneur, si c'est maman, he says, the Lord, if it laisse-moi is my laisser death, ma Bible. Allow me to leave my Bible. Et mon fils Joseph. And my son Joseph prendra ma Bible. To take my Bible. Voyez-vous Joseph? Do you believe Joseph? Il continuera le ministère. Carry on the ministry. Oh Seigneur. Oh Lord. Je prierai qu'après mon départ, after my departure, que Neville, that Neville puisse prendre soin de Maida et des enfants. Maida and the children. Ce n'est pas comme les pasteurs it's aujourd'hui. Not like pastors today. Quand un autre pasteur meurt, when another pastor passes il abandonne sa famille. They forsake his family. Ça, ce n'est pas l'esprit de that Dieu. Is not the spirit of God. Je sais que les gens vont suivre cette bande I know partout. People will follow this mais Branham croyait Branham believed que s'il meurt, that if he dies, que le Branham tabernacle, tabernacle et Neville, and Neville qui va supporter that will take care Maida et sa famille. Maida and his family. Ayant cet esprit partout. Having that spirit all over. Qui peut dire un grand merci? Who can say a big amen? Il dit, c'est quoi, Seigneur? He says, what is that, Lord? Il dit, mais, but dans la vision, in a vision, Joseph était là. Joseph was there. Si la déflagration devait me tuer, if the blast had to kill me, il devait tuer Joseph. Then it had to kill Joseph. Mais dans la vision, but in a vision, j'attendais Joseph et crier. I still heard Joseph crying. Seigneur, est-ce que c'est quoi? Lord, what is that? Il dit, oh Seigneur. He says, oh Lord. Si c'est une nouvelle commission, it's a new commission. Envoie ta puissance. Send your power. Dieu a envoyé la puissance dans sa chambre. God sent the power in his room. Il a amené presque hors. That took him almost out. Et il a pris la Bible. And he took the Bible. Il dit, Seigneur, he says, Lord, la vision est vraie. The vision is mais true. La Bible est plus que la vision. That the Bible is more than the croyez-vous vision. À cela? Do you believe that? Montre-moi une écriture. Show me a scripture. La Bible s'est ouverte. The Bible opened. Jusque dans Romains. Until Romans. J'ai mis une pierre. I put a stone. Des scandales. A stamping stone. À Zion. At Zion. Frère Branham a compris. Frère Branham understood que dans toute la rédemption, that's an entire redemption. Il ne s'agit pas de deux pierres. It's not about two stones. La seule pierre, the only stone, le rocher des âges, the rock of ages, c'est le Seigneur Jésus-Christ. It's the Lord Jesus Christ. Mais il change de forme. That changes forms. Il devient une pierre de scandale. He becomes a stumbling block stone. Et quand il sort, and when he gets out, il voit les gens des tracteurs. He sees people with trucks. Ils sont venus enlever. They came to remove sa, les clôtures de sa maison. The edges of his house. Souvenez-vous de la vision. Now notice, in a vision de 1955, of 1955,
Quand cet homme-là venait enlever, when that man was coming to remove it, Branham a voulu le parler. Branham wanted to speak to him. Il lui a mal répondu. Branham says, I thought as I was a boxer. Je lui ai tellement boxé. I gave him a punch. Je lui ai donné trois coups. I gave him three punches. Trois encore. Three again. Et septième coup. And the seventh punch. KO. Chaos. Et je l'ai réveillé. I rose him up again. Je lui ai dit, je ne voulais pas te taper. I told him I didn't want to beat you. Je voulais seulement te montrer que I just wanted to show you tu ne devais pas me répondre comme ça. You should have been rude to me. Dieu lui a dit, God told him, tu es prédicateur. You're a preacher. Quand cela arrivera, when that will happen, ne le tape pas. Don't you beat him. Et quand il sort de la chambre, and when he get out of the room, en 62, in 62, il voit le même monsieur, he saw the same man, en train de couper sa parcelle, coming to cut the edge of his house. Mais qu'est-ce qui se passe? What is going on non, here? On va mettre le train ici. No, we're gonna put the train. Le chemin de fer ici. The iron metals were here. The right way. Abraham rentre. And Branham returns. Avec la deuxième vision, with the second vision, il dit c'est le temps d'aller à l'ouest. He says it's time for me to the west. Il revient devant le Branham Tabernacle. And he returns to the Branham Tabernacle. Le 30 décembre. The 30th of December. Le matin il prêche l'absolu. The morning he preaches the absolute. Il dit mon absolu. He says my absolute. C'est la Bible. It's the Bible. Qui peut dire amen? Who can say big amen? Et le soir il prêche. And the evening he preaches. Monsieur. Sir. Et c'est le signe du temps de la fin. Is it the sign of the end time? Et avant de prêcher. And before preaching. Il était dans son bureau. He was in his office. Six frères de son église. Six brothers ont amené six songes. They brought six dreams. Avec des sœurs. With sisters. Qui parlaient toujours de frère Branham à l'ouest. That spoke je n'ai pas le temps d'entrer dans toutes ces choses. I don't have time to go deep in that. Et la septième, c'est la and vision qu'il a. Was the vision that he had. Il vient, il prêche, monsieur, quelle est la vision. Mais c'est sur le signe. Il a lu Apocalypse 10. Il dit que ma mission est finie. Says, mission je vais vous présenter present l'agneau de Dieu. The Lamb of je God. Voyage. I'm traveling. Je vais aller à l'ouest. I'm going to the west. Est-ce que vous dites amen à cela? Lisez, monsieur, sur le signe. Read the spoken et word, le sir, soir, il a appelé les frères Jenner Norman. Et lui louait une maison à l'ouest. To rent a house for him in Texas. And Brother Branham moved out. Il est parti à Tucson. He went to Tucson. À l'ouest du monde. The west of the world. L'ouest des États-Unis. L'ouest de l'ouest du monde. The west of the world. Et il est parti à la montagne. And he went to the mountain. Dans la montagne de Sabino Cano. The Sabino Cano mountain. Il est en train de prier. He was praying. Il dit Seigneur. He said Lord. Tu m'as dit que tu m'as amené. You told me that you brought me c'est here. C'est une nouvelle commission. It's a new commission. Et pendant qu'il était à genoux. And while he was kneeling down. En train de prier. And he was praying. Il a senti. He felt. Une chose something est descendue dans sa main. Came upon his hands. Et quand il a ouvert la and main, when he wrote, put c'était up his une épée en or. It was a sword, a golden sword. Il a dit, c'est quoi ça, Seigneur? And he says, what is that, Lord? La voix a dit, the voice said, c'est l'épée du roi. It is the king's sword. Et il a dit que le roi, and he says, the king, c'est le Seigneur Jésus-Christ. It's the Lord Jesus. Et son épée, and his sword, c'est la parole de Dieu. It's the word of God. Qu'est-ce que c'était? What was that? C'est le changement de pouvoir. It was the changing of powers. La chose, the thing, qui fait de Dieu Dieu, that makes of God God, c'est son épée. It's his word. C'est sa parole. It's his word. Mais à Sabino Canyon, but in Sabino Canyon, Dieu passe le pouvoir, God passes the power, à l'homme, to a man. Qui peut dire amen? Who can say amen? À l'homme, and to a man. C'est le mystère de Living Stone. It is the mystery of Living Stone. Living Stone voulait évangéliser les Africains. Living Stone wanted to evangelize the Africans. Il a vu le roi. But he saw the king first. Ils ont mélangé le sang. They mixed up blood. Ils ont bu ensemble. And they drank together. Il a dit au roi, donne-moi un signe. And he told the king, give me a sign. Le roi africain lui donne l'épée. The African king gave him a sword. Le roi lui a dit aussi, donne-moi un signe. And the king told him, give me also a sign. Lui donne au roi son manteau. And he gave to the king his coat. Le manteau le roi porte le manteau de Living Stone. And the king puts on the coat of Living Stone. Et Living Stone prend l'épée du roi. And Living Stone takes the king's sword. Quand il entre en Afrique jusqu'à Matane. And he got in Africa. Quand les Africains voulaient le tuer. When African wanted to kill him. Quand il lève l'épée. When he raises the sword. C'est un blanc. It was a white mais man. L'épée. But the sword. C'est l'épée de notre roi. It is the king of the sword c'est of our king. Dieu a fait dans cet âge. That's what God did in our days. Jésus voulait entrer. Jesus wanted to come in. Pour sauver les gens. To save people. Mais comment il va faire? But how will he do it? Oh, on ne reconnaît pas un homme. We do not recognize a man. Branham c'est un homme. And when Branham is a man. Il n'est pas mort pour nous. He did not die for us. Mais Jésus a demandé à Branham. But Jesus asked Branham. Donnez-moi ton corps. Borrow me your body, ton manteau, your coat, et Jésus and Jesus put on a coat, le corps de Branham, the body of Branham. Et Branham a dit, and Branham said, mais toi aussi, but you also, donne-moi un signe, give me a sign. Il lui donne, he gives him l'épée, the sword, la parole de Dieu, the word of God. Nous ne
suivons pas Branham. We are not following Branham. Comme des aveugles. Like blind people. Nous suivons la parole. We are following the word of God. Le Père du roi. The word of the king. Alors, then, après ça, after that, il voulait aller à la chasse. He wanted to go for hunting. La saison de la chasse. The hunting season. C'était du 1er au 10. Was from the 1st to the 10th of March. Alors, then, on lui a appelé. He was called. Le frère qui le critiquait pour la photo. The brother that criticized him concerning this picture. Un pasteur incrédule. An unbeliever pastor. You know the best. In name of best. Qui doutait de la colonne de feu. That doubted the pillar of fire. En 1950. In 1950. Quand lui-même a pris la photo avec les gens. Took the picture. La colonne de feu est apparue. Well, he brought his own cameraman to take a picture and a pillar of fire appeared. Ses enfants devaient être condamnés à mort. His child had to be condemned to death. Dans une chaise roulante. In a chair. Ils ont appelé frère Branham. And they called Branham. Oh, frère Branham. He says, brother Branham. Nous croyons que tu es prophète. We believe that you are a prophet. Si tu peux venir à Houston. If you can come here in Houston. Une réunion, parler au juge. Having a meeting and speak to the judge. On ne condamnera pas nos enfants. My child won't frère be Branham condemned. A prié, il a dit. Branham prayed and la said. La Bible dit. The Bible says. Faites du bien. Do good. À ceux qui vous voulez faire du mal. Those that did evil. Il a laissé la chasse. He left hunting. Il est parti. He went there. Il est arrivé à la côte. He rode. He arrived at the court. Le juge est entré. The judge got in. Quand il voulait le condamner. When he wanted to condemn him. Frère Branham a levé la main. Branham rose, left that. Il dit, je suis le révérend William Branham. He says, I'm the Reverend William Branham. Cette nation l'Amérique. This nation America. Nos parents ont fait ça sur la Bible. Our father founded this under the Bible. Ils étaient des protestants. They were Protestants. Depuis Dieu lui-même. Since God himself. Même quand Caïn avait even when Cain killed, God did not kill him. Comment vous pouvez tuer les gens? How can you kill people? Revenez à la Bible. Come back in the Bible. Comme Abraham Lincoln. Like Abraham Lincoln. Comme George Washington. Like George Washington. Le juge a dit, the judge said, depuis que je suis juge, since I'm a judge, je n'ai jamais vu, I've never seen a man, avocat comme ça. A lawyer like this one. Mon ami, je ne suis pas un avocat. Says, I'm not a lawyer. Je suis l'avocat de Dieu. I'm God's lawyer. Hallelujah! Hallelujah! Et le juge a pris and the judge marteau. Took the sword. Il dit, j'ai 40 he took the hammer. Comme un juge. Says I'm 40 years as a judge. Aucun avocat but there is no lawyer that has spoken. Mais qui parlait? But who was speaking? C'était pas frère Branham. It wasn't Frère Branham. C'était le Saint-Esprit. It was the Holy Spirit. Et l'avocat and the lawyer said. On ne le condamne the plus. Judge said we will not condemn him anymore. Ils sont acquittés. They are actually not guilty. Hallelujah! Hallelujah! Gloire soit rendue à glory Dieu. Be to God. J'ai toujours dit mes frères. I've always said, brother, si frère Branham, if brother Branham a défendu defended les enfants d'un critiqueur, the children of a criticizer, a plus forte raison. How much more? Chaque jour. Every day. Comme Paul avait dit à Timothée. As Paul said to Timothy. N'ayez pas peur. Don't you fear. N'ayez pas honte. Don't you be ashamed. Du Seigneur Jésus Christ. Of the Lord Jesus Christ. Aidez-moi Paul. And I Paul, son serviteur, his servant, moi aussi je suis à I am also in job, comme Timothée, like Timothy, je n'ai pas honte, I am not ashamed de mon Seigneur Jésus Christ, of my Lord Jesus Christ, et de son serviteur, and his servant, Branham, William Branham, toi aussi, you also, le même Saint-Esprit, the same Holy Spirit, il peut te défendre, that wants you to say, là où les gens t'attirent, you will be strong with what Hallelujah. Jesus said. Hallelujah! Il les a libérés. He set them free. Quand il les a libérés. And when he set them free. Et les quatre. And the fourth. Le 4 mars. The 4th of March. Il prêche. He preaches. Absolute. Absolute. De Houston. In Houston. Il dit quand je quitte ici. He says, when I leave here. J'irai à la chasse. I'm going for hunting. Voici le point de repère. Now that is the qui montre que le 28 février. That shows that the 28th February. Il n'était pas à la montagne. Brother Branham was not on the mountain. Le 4 mars. The 4th of March. Quand says, je quitte ici. When I leave here. Je vais à la chasse. I'm going for hunting. Les gens qui discutent le 28 et le 8 mars, vous avez ça. I'm trying to speak about the 28th and the 8th March. You've got it there. Et il a quitté le soir. And he left the evening. Le 5, il arrive à, Tucson. He reaches Tucson. Et le 6, the 6th, il part à la chasse. They went for hunting. Avec le frère Jenny Norman. With brother Jenny Norman. Et avec le frère Sotman. And with brother Sotman. Ils ont mis leur tente. And they put the tent. Et le 7, and the 7th, il a tué son javelin. He
killed his animal. Comme Sotman n'avait pas tué, and as Sotman never killed, il a dit dormant. He said, let us sleep. Le matin de demain, the morning of the next je day, monterai à la montagne. I'll go on the mountain. Et quand je verrai les troupeaux, and when I will see the je vais les chasser pour voir. Souvenez-vous en 62, and remember in 62, il avait vu la vision là, he saw the vision, que la déflagration that the blast ne se faisait pas de was not in Jeffersonville, mais il était à l'ouest, but it was at the west, sous la montagne, out the mountain, en train d'enlever les gratterons, trying to remove the stickers that were on dans his feet, son pantalon, in his trousers. Quand Dieu montre une vision, and when God shows a vision, ça s'accomplit tel qu'il a it fulfills exactly the way he says. Et le matin du 8 mars, and then the morning of the 8th pendant of March, que le monde était en train de fêter la fête de la femme, while the world was busy feasting the feast of a woman, préparer la fête de la femme. They were preparing for the feast of the woman. La fête mondiale de la femme. The worldly feast of women. Comme ils fêtent aujourd'hui. Like they're doing it today. Frère Branham went on the mountain. Il était habillé en jean. And he was wearing a jean. Avec un chapeau cowboy. A cowboy hat. Et quand il est monté, il est monté. And when he went up. Il est monté très haut. So up. Jusqu'au sommet de la montagne. Until the peak of the mountain. Quand il arrive au sommet. And when he reaches the peak of the mountain. Juste à 8 heures. At exactly 8. Quand le soleil se levait, when the sun was rising, il a entendu une grande déflagration. He heard a great blast. Les montagnes ont bougé. Mountains shook. Les rochers se sont fondus. And rocks were, the rocks took places there. Quand il se tourne, and when he turns, il voit les gratterons. He sees some stickers on his face. Quand il enlève les gratterons comme dans la vision, them, quand il se tourne, and when he turns, il voit sept anges, and he sees seven angels venir dans la lumière, coming from the sky. Et les sept anges l'ont soulevé, and the seven angels lifted up. Il a été enlevé, and he was caught up. Et il est entré dans la constellation, and he got into the constellation. Il dit, j'étais entré ici, and he says, I got in here. Les sept anges pouvaient les compter. He says the seven angels could count him. Et le septième, and the seven, avait une torse bombée, had a big chest. Et il était en direction de moi. And he was directing to me. C'est lui qui avait le septième seal. The one that had the seventh seal. Interrogeons les temps anciens. Let us question all the days. Même Adam. Even Adam. Même Moïse. Even Moses. Même Paul. Even Paul. Même Pierre. Even Peter. Même Jean. Even John. Personne. No one. Dieu l'a mené haut. God brought him up. La nuée n'est pas descendue jusque sur la terre. The cloud did not come until the earth. Frère Branham a été enlevé. Frère Branham was caught up. Il est entré dans la constellation. He got into the constellation. Et on a compté sept anges. And he was count seven angels. Plus lui-même. Plus himself. Ça fait huit. It made it eight. Et la voix lui dit. And the voice told him. Rentre à Jeffersonville. Return to Jeffersonville. Les sept sceaux. The seven seals. Seront ouverts. Will be open. Moi, Jésus. I, Jesus. J'ouvrirai les sept sceaux. Will open the seven seals. Branham ne peut pas ouvrir les sceaux. Branham can never open the seals. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Qui est digne de prendre le livre? Who is worthy to take the book? C'est Jésus lui-même. It's Jesus himself. Mais Jésus livre dans l'homme. But Jesus book in a man. Et les anges ont ramené Frère Branham. And the angel brought back Frère Branham. Les deux témoins étaient là. The two witnesses were comme there. Comme Jésus dans la montagne. Like Jesus in the mountain. Et quand il retournait. And when he was returning. Le frère Sotman a dit. Frère Sotman said. J'ai vu sa face. He says, I saw his face. Il était devenu lumière. Became light. Oh, comme Moïse. Oh, like Moses. Chaque fois que la nuée descend. Each time when the cloud descends. La face du messager the change. The face of the messenger changes. Il dit, retournons à Jeffersonville. He says, let us return to Jeffersonville. Est-ce que vous dites amen? I say amen. Et il est parti prêcher sur les sceaux. He went to preach upon the seals. Remarquez le mystère ici. Now notice the mystery here. C'est le plus grand événement. It is the greatest event. De l'histoire de la rédemption. Of the story of redemption. La photo a été prise le 28 février. The picture was taken the 28th February. Le soir. The evening. Mais l'événement, like la rencontre, event, c'est le 8. The appointment was parce que 28 c'est le chiffre de la vie. Because number 28 is the number of life. C'est pourquoi le cycle de la femme c'est 28 jours. That's why the cycle of a woman is 28 days. C'est pour donner la vie. Is to give life. C'est pour cela vous remarquerez. That's why you notice. Quand Salomon parle des temps de la vie. When Solomon speaks about times in life. Dans Ecclésiaste, in Ecclesiastes, il y a un temps pour vivre, there is time to live, un temps pour pleurer. Il n'y a que 28 temps. There are only 28 times. 28. 28. Ta main ici n'a que 28 phalanges. Now,
even in your hands here, when you count the lines between your fingers, there are only 28. C'est quoi 28? C'est le nombre de la cycle de la femme. That's why 28 is the number of the cycle of a woman. Et c'était la photo le 28. And the picture of the 28. Parce que Jésus amène la vie à l'épouse. Because Jesus brings life to the bride. Si vous croyez, dites amen. If you understand, say amen. Et la photo c'était au février. And the picture was in February. Parce que février c'est le deuxième mois de l'année. Because February is the second month of et the year. Et c'est le témoignage. And two is testimony. Avant que Dieu fasse quelque chose. Because before God does something. Il le montre au ciel. In on the earth or in heaven. In et the earth, c'était shows heaven. À 17h. And it was at 5 p.m. Parce que c'est le soir. Because the evening time. C'est le lever du soleil. It was the setting of c'est the le coucher du soleil. It is the setting of the sun. C'est la lumière du soir. It is the evening light. C'était en 63. It was in 63. Parce que because la Pentecôte, la Odyssée a commencé en 1906. Pentecost, la Odyssée started in 1906. Après 50 ans, 50 years after, le jubilé, the jubilee, 1956. 1956. L'Amérique a perdu son opportunité. America lost opportunity. 7 ans après, 7 years after, c'est 63. It's 63. Le jubilé de la pierre the de fête. The jubilee of the capstone. Et c'était un jeudi. It was on a Tuesday. Parce que jeudi, Thursday, c'est because Thursday. It was a Thursday. Ça veut dire le jour du tonnerre. Thursday, meaning the days of thunders. C'est là où Dieu descend. Femme la nuit, c'est le sept tonnerres en photo. My mom says the cloud is the seventh tonnerre taking a picture. Mais pour que Frère Branham les rencontre, but for Brother Branham to meet them, c'est le 8 mars à 8h. The 8th of March at 8. Parce que c'était l'éternité. Because it was eternity. La rencontre du Dieu éternel. The meeting of the eternal God. Et l'homme. And a man. Ici ni. Uniting. C'est le mariage. It's the marriage. De Jésus roi. Of Jesus king. Avec son église. With his church. Et il prend un membre de l'église. And he takes a member of the church. Est-ce que vous me suivez? Are you following me? William Branham. William Branham. Et il se marie. And they get married. Quand il est descendu. And when he descended. Il avait incarné cette nuée. He incarnated that cloud. Le ciel et la terre se sont mariés. Heaven and the earth were married. C'est le mariage de l'épouse. It's the marriage of the bride. C'est pourquoi c'était au mois de mars. That's why it was in the month of March. Le mois 3, c'est la perfection. Number 3, it's perfection. March number 3, perfection. Et Dieu parfait. A perfect God. Pour un mariage parfait. For a perfect wedding or marriage. Pour le jubilé de l'éternité. For the jubilee of eternity. C'est pour cela ici. That is why here. Vous remarquerez que l'événement. You notice that the event. L'âge zéro était ici. The age zero was there. C'était l'âge de l'époux. It was the groom's age. De Jésus lui-même. Jesus himself. Conséquence de ça. Consequence of that. La Pentecôte. Pentecost. Vous dites amen. Say amen. Vous dites amen. Saying amen. Et nous avons eu 7 âges. And we had 7 ages. Quand on arrive ici au when rythme, we reach the day age, c'est le retour ici. It's returning again there. Celui qui était ici, the one that was there, revient ici. Comes back there. Celui qui était ici, the one that was here, c'est Marie. Gets married over there. L'alpha, the alpha, et l'oméga, is the omega. L'âge époux, the groom age, c'était Christ. It was Christ dans la forme, in the form, de l'époux, of the groom. C'est pour cela ici that dans l'âge zéro, there in the age zero, Jésus a dit je vais m'arrêter là. Jesus said I'm gonna stop here. Je suis l'accomplissement, I'm the fulfillment. Fulfillment de tous les prophètes of all the prophets et les psaumes and the psalms. Dites un grand amen à cela. Say big amen to that. Dites un grand amen. Say amen again. Pourquoi Jésus n'a jamais touché les livres de la Bible qui parlent des femmes? Why is it that Jesus never touched any scripture of the Bible that speaks about women? Il dit je suis l'accomplissement. He says I'm the fulfillment out of the scripture. De tous les prophètes of all the prophets et les psaumes and the psalms. Tous les prophètes étaient des hommes. All the prophets were men. Des mâles. Male. Celui qui a écrit psaume c'est David. The one that wrote the psalm is David. Jésus n'a jamais touché à Rahab. Jesus never touched Rahab. Ni à Sarah. Or Sarah. Ni à Rebecca. Or Rebecca. Pourquoi ni à Cantique why? De Cantique? Not even Song of Songs. En ce temps-là, at that time, c'était l'âge époux. It was the groom age. J'ai quelque chose de glorieux pour vous ici. There's something glorious for you here. Dans l'âge zéro, in the age zero, de l'époux, of the groom, Jésus est saint. Jesus is holy. Si vous croyez, dites amen. If you understand, say il est trois fois saint. He's three times holy. Il est sans péché. Is sinless. C'est la vérité. Is the truth. C'est la vérité. Is that the truth? Mais à la croix,
But at the cross, Jésus est devenu péché. Jesus became sin. Il est devenu malédiction. He became curse. Il est devenu zakola. He became zakola. Il est devenu chitea. He became chitea. Il est devenu mbuyamba. He became buyamba. Il est devenu amen tabernacle. He became amen tabernacle. Jésus est devenu tous nos saletés. Jesus became all our dirt. Le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. The judgment that had to fall upon us, but it fallen upon him. Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas là-bas. If you don't understand it, dans l'âge époux, in a group age, l'homme saint, the holy man, est devenu péché, became sin. L'homme qu'on ne peut pas condamner, the man that cannot be condemned, est devenu condamnable, became condemnable. Pour quel but? For which purpose? Quand il va revenir, so that when he will return, lui Jésus, him Jesus, plus l'homme, plus man, la nuée, the cloud, plus frère Branham, plus frère Branham, l'église, the church, devient huit, becomes eight. En ce moment, at this moment, nous entrons, we get into, dans le huitième jour, in the eighth day. Parlez de l'Odyssée, not the Laodicea age. L'âge de Luther est terminé. The Luther age is finished already. Tous les âges sont terminés. All the age are finished already. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. We are now in the bride age. Le mariage a eu lieu. The marriage has taken place. Pierre était le pasteur. Peter was the pastor. Le mariage a trois étapes. The marriage has got three stages. Fréquentation. Courtship. Fiançailles. Fiancé. Et bénédiction. And the blessing of the marriage. Amen. Say amen to that. Le pasteur qui a commencé la fréquentation de Jésus avec sa femme, c'est Pierre. The pastor that started the courtship of Jesus and his bride is Paul. Mais dans la cour, but in the courtship, on ne peut pas se baiser. We cannot kiss. On ne couche pas. We don't lay together. C'est la vérité. Is it the truth? Et Paul est venu. And Paul came. Paul avait la connaissance plus que Pierre. Peter started, but Paul had more knowledge than Peter. Même Pierre a accepté ça. Even Peter agreed, accepted that. Il dit, moi, yo, Paul. He says, this boy Paul. La connaissance qu'il the a. The knowledge that he had. C'est élevé. It's very high. Paul corrigeait même Pierre. Paul was correcting even Peter. Paul vient dire dans Corinthiens. Paul comes and says in Corinthians. Je vous ai fiancé à Christ. I engaged you to Peter, to God. La cour est finie. The courtship is finished. Le pasteur Paul. Pastor Paul. A fiancé Jésus. Has fiancé Jesus. Avec son église. With his bride. Mais dans les fiançailles. But in courtship. On ne couche pas. We don't lie together. On n'entre pas dans la même chambre. We don't get in the same room together. Excusez-moi, nous sommes dans une église mixte. Forgive me. I'm sorry, we are in a mixed church. Dans les fiançailles. In fiancées. L'homme ne peut pas se dévoiler. A man cannot reveal himself. La femme aussi ne peut pas se dévoiler. A woman cannot reveal herself. L'homme ne peut pas révéler tous ses secrets depuis les cheveux jusqu'aux orteils. A man cannot reveal his secret from his hair to his toes. Certains secrets sont couverts. Those secrets are hidden. La femme ne peut pas révéler tous les secrets. The woman cannot also reveal all the secrets. Qu'est-ce que le christianisme attendait? What was the Christianity waiting? Ils attendaient le mariage. They waited for a marriage. Et le 8 mars. Oh, yeah. And the 8th of March. Le pasteur Branham. Pastor Branham comes. Sur la montagne. On a mountain. Je vais vous dire quelque chose. I'm going to tell you something. On peut avoir la cour. We can have courtship. À distance. In a distance. Je vais baratiner une fille à qui nos téléphones. Well, I can ask a girl out over the phone from Kinshasa to hear. On peut être fiancé à distance. Man, we can even be fiancé in a distance. Mais le jour du mariage. But the day of marriage. Il faut que l'homme soit là. The man must be there. Est-ce que c'est la vérité? Is it the truth? Le 8 mars. The 8th March. Ce n'est pas seulement les anges. It's not only the angels. C'est Jésus lui-même. It is Jesus himself. Qui est descendu. That descended. Et frère Branham a and Brother Branham came and united the il bride. A péri and he blessed the marriage. Hallelujah. Hallelujah. C'est pourquoi je vous dis. That's why I'm telling you. Vous êtes Kyria Electa. You are Kyria Electa. C'est toi la femme de Jésus. You are the wife of Jesus. L'enlèvement. The rapture. Nous n'allons pas au mariage. We are not going to marriage. L'enlèvement c'est le souper de noces. The marriage is the honeymoon. Nous sommes mariés ici. We are married here. Et Jésus. And Jesus. N'est pas
femme est vierge. A virgin woman. Comment je suis vierge? I'm a virgin. Il ne m'a pas pardonné. He never forgave me. Une femme peut être déviergée. A woman can be defiled. Si tu le pardonnes, if you forgive her, tu peux la marier. You can marry her. Mais tu ne peux pas oublier but ça. But you cannot forget that. Mais Jésus, but Jesus, avec le sceau, with the seals, ce n'est plus le pardon. It's no more forgiveness. C'est la justification. It's now justification. Nous sommes une épouse vierge. We are a virgin bride. C'est pourquoi. That is why. Je n'ai jamais péché. I have never sinned. Jamais. Never. C'est ça le huitième that jour. That is the eighth day. Amen. Nous sommes mariés. We are married. Je n'ai jamais péché. I have never sinned. Quand on se marie, when we get married, on dit au mari, we say to the husband, donne le premier baiser. You give the first kiss. Le baiser se fait dans la bouche. You only kiss in the mouth. Et la Bible dit, and the Bible says, la bouche de Dieu, the mouth of God, c'est un prophète. It's a prophet. Hallelujah. Hallelujah. So what nous aimons ici. That's what we love here. Frère Branham dit. Frère Branham says. 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 C'est quoi? What is that? Hallelujah. Hallelujah. Salomon. That is Solomon. Adi said, "Ngongo, Ngongo, kill me best. Let me, let her kiss me. De baiser de sa bouche. A kiss from her mouth. Car son baiser plus que le miel. Because a kiss is more than honey. Il ne s'agit pas de baiser charnel. It's not a carnal kiss. Il s'agit quand Dieu nous parle par un prophète. It is when God speaks to us through a prophet. C'est goût comme le miel. It's sweeter than honey. Avale le livre. And you must swallow the book. Dans la bouche. With the mouth. C'est comme le miel. It's like honey. Nous sommes Kyria Electa. We are Kyria Electa. Nous sommes à la fête de we la bouche. We are in the party of the bride. Le ciel et la terre s'est mariés. Heaven and the earth got married. Branham a béni le mariage. Branham blessed the marriage. Jésus n'est plus célibataire. Jesus is no more single. Yesu abala. Jesus is married. Et il nous a donné la bague. And he gave us over there. La puissance du troisième pull. The power of the third pull. Et nous avons le voile. And we've got the veil. Le Saint-Esprit de l'adoption. The Holy Spirit of adoption. Et quand nous marchons. And when we walk. Nous sommes la Madame et Jésus. We are Mrs. Jesus. Et quand on devient la Madame Jésus, and when we become Mrs. Jesus, Frère Branham dit c'est quoi? Frère Branham says what is that? C'est Jésus Christ. It is Jesus Christ. Dans la venue épouse. In the coming of the bride. Dans la forme. In the form. De l'épouse. Of the bride. Jésus a comme une âme belle. Jesus now got breast. Long and with the woman faced. C'est pour cela. That is why. Vous les frères du message. You brothers of the message. Jésus. I love Jesus. Mais tu n'aimes pas les frères à l'église. But you don't love brothers in the church. Jésus est devenu ton frère. Jesus became your brother. Jésus a commis le moine à moi. Jesus today became a woman. Elle devient El Shaddai. He became El Shaddai. Dieu avec deux mamelles. God with two breasts. Si tu aimes l'église, if you love the church, c'est ça aimer Jésus. That is loving God, Jesus. Si tu aimes Frère Branham, if you love Frère Branham, tu aimes Jésus. You love Jesus. Tu aimes Frère Gilles, if you love Frère Jules, tu aimes Jésus. You love Jesus. Jésus dans son église, Jesus in his church. Il change de forme, changing forms. Hallelujah! Hallelujah! Et l'église devient le Kyria Electa. And the church becomes the Kyria Electa. Et quand on arrive à sa petite nangaï, my boy, when we reach there, c'est l'éternité. It's eternity. Oh, there is nothing like that. Makamweza yondi maga parole. The problem here is only you believe the word. Quand tu crois la parole, when you believe the word, tout ces choses partiront. All those things will go. Vous comprendrez que now you'll understand that faux pasteurs, the false pastors sont en train de prêcher dans les âges. They're preaching in the age. Mais nous sommes dans l'éternité. But we are in eternity. David n'a jamais péché. David never sinned. Même si demain oh, il a péché. Even if tomorrow he sins. Ce n'est pas lui. It's not him. C'est Satan. It's Satan. Dans l'éternité, in eternity, Branham dit on tourne. Branham says we just turn. On tourne. We turn. On ne sort plus. We don't come out of it. Pourquoi
que je vous dis ça? Why am I saying this to you? Ne venez pas ici dans mon église. Don't you come here in my church? Je suis sauvé aujourd'hui. Oh no, je suis perdu demain. I'm lost tomorrow. Je suis sauvé aujourd'hui. I'm lost tomorrow. Non, non, non. No. Ça c'était au cours des âges. That was along the ages. Ici c'est l'éternité. Here it's eternity. Le huit parfait. The perfect eight. Et frère Branham dit pour comprendre ça. And Brother Branham said for you to understand that. Dieu avait caché ça. God had hidden that. Dans toutes les formes de la Bible. In all the forms of the Bible. Je vais terminer là, c'est merveilleux. I'm going to close here, it's wonderful. Kyria Electa. Kyria Electa. La femme élue. The elected woman. C'est pourquoi nous dansons le cantique de Sister Ariane. That's why we sing. We dance the music of Sister Ariane. He selected me and he loved me. Il m'a choisi sans mérite. He chose me without a reward or a deserve. C'est quoi les frères, il faut quoi chanter. That's why the Lifoko sang. Pourquoi il a laissé why? Tous ces gens did he leave all et ces other people of this world? Il est venu and que se révéler à only moi. To reveal himself unto me. Pourquoi? Why? There are good people out there. Pourquoi il les a laissés? But why did he leave them? Moi un pécheur. I a sinner. Pourquoi seulement moi? Why only me? C'est l'élection. That election. Ce n'est pas le mérite. It's not a deserve. J'ai aimé Jacob. I love Jacob. J'ai haï Esau. And I hated Esau. J'ai aimé Amen et Tabernacle. I love Amen Tabernacle. J'ai haï d'autres. I hated others. J'ai aimé toi. I loved you. Jésus t'a aimé. Jesus loved you. Il a laissé les autres. And he left others. C'est ça mon frère. That is it, my brothers. Quand vous nous voyez nous autres ici. When you see some of us here. Moi je suis toujours fier. Très. Well, très, I'm always, si vous voulez appeler ça l'orgueil. Well, you can call it pride if you want. Dans la parole. But I'm proud in the word. Parce que moi. Because I. Personne ne peut m'envoyer en enfer. No one can send me in hell. Ni moi-même. Neither myself. Ni Lucifer. Neither Lucifer. Ni un pasteur. Neither a pastor. Jésus m'a aimé sans condition. Jesus loved me without a condition. C'est pourquoi quand je marche là. That's how when I walk. Je suis toujours les mains en poche. I always put my hands in my pocket. How are you? How are you? I'm fine. Ça va bien? Mais frère Zakola, à toi. Brother Zakola, you oh. Qui es-tu toi? Who are you? Pourquoi tu fais trop de bruit à Joburg? Why do you make a lot of noise in Joburg? Qui es-tu? Who are you? La réponse c'est aujourd'hui. Today is the answer. Même si tu n'as rien toi Zakola. Even though you have got nothing you Zakola. C'est toujours ton église qui fait la gloire. It's only your church that is making the glory. Mais qui es-tu? Who are you? Aujourd'hui vous avez la réponse. Today you've got the answer. Moi Zakola. I Zakola. Je suis un pécheur. I'm a sinner. Le plus pécheur. The most sinner. Sauvé par la grâce. But saved by grace. Mais quelle est cette attraction sur la montagne? What is that attraction on a mountain? C'est Dieu. It is God. Accomplissant sa parole. Fulfilling his word. Apocalypse 10. Of Revelation chapter 10. Quelle est cette attraction? What is that attraction? Je suis Kyria Electa. I am Kyria Electa. This is my new name. Et ça c'est mon nouveau nom. In the book. Dans le livre. My name is not Zakola. Mon nom c'est pas Zakola. In the book. Dans le livre. My name. Mon nom. Is. C'est. Kyria Electa. Kyria Electa. Une épouse choisie. A chosen bride. Et je reconnais ça. And I recognize that. Quand Dieu t'a choisi, faut God reconnaître. When God has chosen you, you must recognize it. C'est pourquoi Frère Branham dit. That's what Branham says. Quand il est venu ici. When he came here. Jésus n'a jamais expliqué le livre des femmes. Jesus never explained the book of women. Pourquoi il a laissé ça? Why did he leave it like ce that? Ce n'était pas l'âge de l'épouse. It was not the bride's age. Il attendait le 8 mars. He was waiting for the 8th of March. Pour l'âge de l'épouse. For the bride's age. Frère Branham dit. Frère Branham says. One. Nous sommes la seconde Ève. We are the second Eve. La première Eve est tombée. The first Eve had fallen. Parce qu'Adam était absent. Because Adam was absent. Mais il dit, ainsi dit le Seigneur. But he says, that said the Lord. Cette seconde Eve. The second Eve. Ne tombera jamais. Will never fall. Hallelujah. Hallelujah. Pourquoi? Why? Pourquoi? Why? Quand vous la voyez. Because when you see her. Quand vous la voyez. When you see her. Les pieds. You see her feet. C'est une femme. It's a woman. Le corps. The body. C'est une femme. It's a woman. La bouche, the mouth, c'est une femme. It's a woman. Le cou, the neck, c'est une femme. It's a woman. Le cou, c'est Branham. The neck is Branham. Mais la tête, but the head, c'est la nuée. Is the cloud. C'est quoi dans la nuée? That's why in the cloud. Il n'est que la tête. It's only the head. Quand Satan vient, when Satan comes, il veut séduire. He looks at quand on arrive à la tête, when he looks to the head, Satan va fuir. Satan will run away. Béni soit la seconde Ève. Blessed be the Lord, the second Eve. Ce matin pour terminer. And now to finish this morning. Je salue la seconde Ève. I'm greeting the second Eve. Et tu ne tomberas jamais. And you will never fall again.
Abraham of the Old Testament. C'est Branham. It is Branham. Je ne mérite rien. That one do not deserve anything. Et je suis Sarah. I'm Sarah. Qu'est-ce que Sarah what did Sarah say? Son corps était her changé. Body had changed. Et il a mis au monde Isaac. And she gave birth to Isaac. J'ai béni Sarah I Omega. Bless Sarah Omega. Nous sommes dans le changement. We are in a change. Bientôt c'est l'enlèvement. Very soon we are going back je to salue Sarah. I greet Sarah. Hallelujah. Hallelujah. Qu'est-ce que nous sommes? What are we? Nous sommes Rebecca. We are Rebecca. Eliezer. Eliezer. Est venu à he nous. He came back to us. Pour nous chercher. To take us. Et on reconnaît Rebecca. And we recognize Rebecca. La femme. The woman. Que je veux that demander. I will ask. De me donner to les give eaux. Me water. Il va nourrir les and he also greet the camel. Hallelujah. Hallelujah. C'est toi Rebecca. You are Rebecca. Je salue Rebecca. I'm greeting Rebecca. Il aime Eliezer. Oh Eliezer. Eliezer c'est William Branham. Eliezer is William Branham. Isaac c'est Jésus. Isaac is Jesus. C'est toi Rebecca. You are Rebecca. Tu nourris les poules. You are feeding the broth. Tu aimes Eliezer. You love Eliezer. Hallelujah. Hallelujah. Je salue Rebecca. I'm greeting Rebecca. Qu'est-ce que nous sommes? What are we? Nous sommes Asnat. We are Asnat. La femme de Joseph. The wife of Joseph. La femme de Satan Paner. Quand Joseph, when Joseph change les habits, the clothes, il parle l'anglais. He speaks English. En Égypte, in Egypt, il a épousé une femme. He got married to a woman. Égyptienne. Egyptian woman. Jésus a laissé les Juifs. Jesus left the Jewish. Il t'a choisi he toi. Chose you. Je salue Asnat. Hallelujah. Je salue. I'm greeting. Tamar. 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 Une femme est rejetée. A rejected woman. Mais il a dit. And he said. Avant de me tuer. Before you kill me. Avant de me condamner. Before you condemn me. À qui appartient? Oh, who is the honor cette nuée? Of this cloud? À qui appartient? Who is the honor cette promesse? Of this promise? Hallelujah. Hallelujah. Je suis Tamar. I am Tamar. Je salue Tamar. I am greeting Tamar. Praise God. Oh, praise God. Qu'est-ce que nous sommes? What are we? Nous sommes ici. We are here. Nous sommes Tamar. We are Tamar. Nous sommes Sephora. We are Sephora. La femme de Moïse. The wife of Moses. C'était une femme. It was a woman. Moïse. Moses. A oublié. For God. De circoncis. To circumcise. Son enfant. His child. Là où Moïse a oublié. Where Moses forgot. Tamar et Sephora. Sephora. A pris le gilet. Took the il a circoncis. And circumcised. Il dit tu es pour moi. He says you are to me. Un époux de sang. A bride of blood. Là où Jésus n'a pas where terminé. Jesus did not play. C'est nous qui le faisons. We do it. What Jesus je salue do Sephora. It. I'm greeting Sephora. Je salue ce matin. I'm greeting this morning. Hallelujah. Hallelujah. Je salue. I am greeting. Je salue encore Rahab. I am greeting again. Rahab la prostituée. Rahab the prostitute. Elle était prostituée. Oh, she was a prostitute. Mais il a reçu. And she received. Les expiés. The spies. Et quand Dieu détruit Jéricho, when God destroyed Jerusalem, il a mis les filles comme ça. Dieu va détruire le monde. God will destroy the world. Mais il y a une Rahab. But there is a Rahab. Il a les filles comme ça. Hallelujah. Oh, hallelujah. Béni soit le Seigneur. Blessed be the name of the Lord. Je salue ce matin. I'm greeting this morning. Ruth. La Moabite. The Moabite. Il a dit à Isaac. Oh, he said to Isaac. Ton Dieu sera mon your Dieu. God will be my God. Ton peuple sera your mon peuple. Your people will be my people. Et le grand Boaz. And the great Boaz. A épousé. Has gotten married. Et Boaz, Boaz, c'est Jésus. Jesus. Je salue Ruth la Moabite. Je salue ce matin. Greeting this morning. Marie Omega. Marie Omega. Marie. Mary. Il a raconté oh, l'ange. Elle n'a pas douté. Oh, he never doubted. Qu'il me soit fait. Let it be done unto selon me. La parole de l'ange. To the word of the angel. Je salue Marie. I am greeting Mary. Hallelujah. Hallelujah. Béni soit le nom du Seigneur. The name of the Lord. Je salue la présence de Dieu. The presence of the Lord. Et je salue. I am greeting. Meta. 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 Dieu a montré à Fabanam. God showed to Brother Branham. Le bout du temps de la fin. The bride of the end time. Sera Meta. Will be Meta. Elle mettra au monde. Oh, she'll give birth. Joseph. Joseph. Et Joseph. Oh, she'll give c'est la prospérité. Joseph is prosperity. C'est la perfection. It's perfection. Je salue Meta. I'm greeting Meta. Je salue Kyria. I'm greeting Kyria. Kyria Electa. Kyria Electa. Je vous salue ce matin. I'm greeting you this morning. Dans l'éternité. In eternity. Nous sommes éternels. Oh, we are eternal. Est-ce que croyez-vous cela? Do you believe that? Oh, lève-nous. Oh, let us stand up. Lève-nous. Let us lift up our hands. Chantons au Seigneur. Let us sing unto the Lord. Les grands jours, Seigneur. Oh, the